indienne. Monsieur Chou, bonsoir. Okay. Connectez-vous. Il y a à vous dire. Il y a des rebondissements. Connectez-vous. 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 Connectez-vous et partagez. Partagez le direct. Il y a des rebondissements, il y a des choses. Mm-hmm. Merci, merci, merci. Connectez-vous, nombreux et partagez. Merci, Michel Chou. Mmh. J'ai à vous dire, je vais faire un petit speech de condensé de 30 minutes quand je vais voir 100 personnes connectées. Partagez le direct. This is champagne. Mm-hmm. Yes, yeah, slow, slowly. I'm going to open it slowly. Yeah. Hey, it's on my skin all my day. We are not in the party. Huh? I cannot open it. Okay, you wanna go slow. Slow, yes, yes. Yes, slow, slow. Okay. Yeah. Now the one in the party too was that too. It was hot, too hot. It's like when it's cold, it doesn't. Voilà, connectez-vous. Connectez-vous. Je suis pas là. J'ai préféré prendre mon temps à Miami pour échanger un peu, quoi. Je viens de mettre ton temps là, papa Maurice, qui m'a dit, Canada, tu peux pas rester là-bas comme ça et tu seras très mal. Donc, je te coupe un billet, tu viens à Miami. Et tu viens à Miami, on va, question que tu te détends. J'ai dit, docteur Maurice, pas de soucis. Dans ce cas, je viens. Connectez-vous et partagez le direct. Si vous êtes 100, juste 100, ça me va. Si vous êtes 100, ça me va. Parce que après, je transfère sur ma page officielle. Mm-hmm. Donc, bipez-moi les autres. Bipez-moi ceux qui veulent les informations. Bipez-les. Vous partagez. Ceux qui veulent les informations. Parce que j'entends un dénigrement en arrière. Beaucoup de non-dits qui ont commencé à se dire. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça. Fonctionne pas comme ça. Donc,
que je n'ai pas sollicité, que ça se passe ainsi. Cyril Kamgen, bonsoir. Connectez-vous au maximum et partagez parce que je suis pas sur ma page officielle. Voilà. Je suis pas sur ma page officielle. Donc après, je vais partager le relais de ce côté-là. Donc essayez de vous connecter. Vous mettez les cœurs. Vous partagez le direct, vous mettez les cœurs. Winnie Raissa, j'ai jamais fait ces choses de buzz. Ça me regarde pas, ça ne me ressemble pas. J'ai jamais fait les choses de buzz. Moi, je fais pas les buzz. Je ne fais pas les buzz. Voilà. Ceux qui me connaissent le savent. Je ne suis pas un homme de buzz. Durant tout le temps, pour ceux qui m'ont connu, savent que le buzz, c'est pas mon truc. C'est pas le buzz. Ce que je vais dire aujourd'hui n'engage que moi. Je suis un adulte. Et un adulte qui ne parle jamais, il faut vous méfier. Parce que quand vous voyez, vous avez affaire à quelqu'un qui ne parle pas, qui accumule, c'est un seul petit bouton comme ça qui peut dire, ok, jetons-nous dans la boue. Parce qu'il y a ceux qui ont vendu leur âme au diable. Comme là, je peux jouer partout dans le monde. Même si c'est au Canada, je peux jouer. J'ai le talent. Ceux qui ont déjà vu, qui m'ont vu dans les prestations le savent. Dans le domaine de prendre le micro, tenir le micro. Il y en a qui, quand on me cherche, si c'est pas moi, ils sont perturbés. Chacun a son oui, mais le micro là, le micro, c'est nous. Oui, Carlos Tafa, il faut partager le direct. Aidez-moi à partager ce direct. Oui. Dites à Mano Sabi que je suis en direct. Dites-le. Dites-le. Je prends le bon temps à Miami. Ça calme un peu ma tension. Je remercie déjà beaucoup tous ceux qui, depuis que cette histoire a commencé, ont dit qu'ils m'ont appelé pour m'apporter leur soutien moral, surtout en disant beaucoup de courage. Voilà. Je les remercie parce que c'est dans le malheur qu'on reconnaît ces vrais gens. Ah, Lionel, mon poisson brisé les doigts là-bas. Quand je viendrai à doigts là-bas, tu sais toi-même ce que je vais faire. Oui, comme Gatilda, en Virginie, j'ai fait un très beau spectacle. Ils ont aimé. Aujourd'hui, je me souviens, on avait besoin de moi hier. Je leur avais dit, je peux pas, parce que je préparais un grand concert. J'avais dit que, ouais, Ferrangano, ça va, Baba, ça va. Les gens pensent que je suis un gars de Consamba. Tout ce qu'on fait de mauvais, je connais. C'est juste que je dis que je ne ferai pas parce que je n'ai pas le même cœur. Mais je connais au moins. Même si tu veux faire, je vois. Je peux te relayer ce que tu veux faire. Quand ça devient gâté, c'est gâté. Il y a des gens, quand tu patientes, un moment, tu dis, celui-ci, je fous même quoi avec lui. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter dans ma vie? Ce n'est que toi qui peux soutenir quelqu'un dans ses bêtises de chaque jour. Même pour une demi-fois, il ne peut pas. Quand ça devient un peu chaud, pour essayer. Hello?
Hello, Cletus, please. Hello? Please, can I have the Wi-Fi? Wi-Fi. I need it. Voilà, pour éviter que ça ne prenne toute ma connexion. Patientez. Voilà. Comme je vous disais tantôt, permettez-moi que je mette le Wi-Fi sur l'autre téléphone. Voilà. Is it good? Setting, where is it? Setting, yes, that is setting. Donc, je vous demande de partager le direct. Partager le direct. Partager le direct. Thank you. Thank you. Partagez donc ce direct. Voilà. Partagez le direct. Je suis en train de mettre le wifi. Je suis avec la connexion directe là. Je mettais le wifi. Je vais dire une chose aujourd'hui. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. J'ai d'abord marqué une pause de plus de 2 jours parce que je voulais que l'organisateur, tous ceux à qui concernait l'événement, qu'ils puissent entrer dans les frais. J'ai dit, je vais d'abord mettre une pause. Je l'ai fait exprès. J'ai dit, je mets d'abord une pause. Parce qu'après tout, ces gens se sont collés à lui, certains sans savoir exactement qui il était. Juste parce qu'il est tellement sûr de lui. Quand il fait un truc, il est tellement sûr de lui, il dit, il croit que c'est les choses qu'on fait au Cameroun. Beaucoup vont se poser la question, pourquoi je refais la sortie aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi je refais la sortie aujourd'hui. Je refais la sortie aujourd'hui parce que la bêtise insiste. La bêtise insiste dans le même tempérament, comme si de rien n'était. Je pense que s'il y a un reproche quelque part, tu n'attendras pas le moment où tu sens ton intérêt menacé pour vouloir simuler devant les gens. Et à la propre personne, tu dis autre chose. Hein? Je vais te dire aujourd'hui, je vais le dire maintenant ici, à tous ceux qui ont son numéro et qui ont eu à l'appeler, pour lui dire, qu'est-ce que tu as avec ton petit? Est-ce que ce que j'entends là est vrai? Tu essayes de faire des mesquineries. Tu fais une mascarade. La mascarade, c'est que tu n'es pas capable de reconnaître. Tu ne te laisses jamais abattre. Tu n'es pas capable de reconnaître devant les gens. Devant des personnes qui sont même tes personnes, on a des liens communs. Tu es incapable de leur expliquer exactement ce qui se passe. Tu mets dans le tourbillon. Ah, tu sais, ce n'est pas ça. Ceux qui te connaissent, ils sont nombreux. Ils n'ont jamais eu ce courage que je prends aujourd'hui parce que ils se disent, pourquoi c'est moi qui dois faire ça? Mais il faut écouter ce que tout le monde dit de toi. Comment il fallait toujours un courageux comme moi pour venir toujours relayer et te dire qu'il faut faire attention à ceci, il faut faire attention à cela. Même à moi, tu me fais la même chose. Quand nous sommes arrivés aux États-Unis, quand tu es allé à une soirée, je t'ai vu à cette soirée de mariage, je t'ai pas salué. Tu étais étonné parce que j'avais compris que ça ne valait pas la peine de parler avec quelqu'un comme toi. Après avoir fait une généralité. Mais il y a eu tonton Thierry, mon beau, il y a eu Merlin du Poisson, qui nous a dit, qui m'ont interpellé et qui m'ont dit, vraiment c'est sale. C'est sale que tout le monde a vu à Mondovision, comment c'est toi qui allais le prendre à l'aéroport et tu as fait tout ça.
il est à la maison, il est à la maison chez nous et, tu ne veux pas lui parler. Asseyons-nous, on arrange. Quand nous nous sommes assis, tu as voulu ce jour faire encore les mêmes choses. Parce que tu aimes étouffer les gars et dire, quand tu as un langage, quand tu veux parler aux gens, les gens croient en ta sincérité parce qu'ils ne te connaissent pas. Tu es le genre de personne, si tu as une situation maintenant, tu parles de ça maintenant, tout le monde va imaginer que, voilà, wow, tu es vraiment... Ok, à la même temps. Voilà ton style. Parce que devant ceux que tu veux montrer du respect, tu dis non, Caragan, c'est mon jeune frère, c'est mon petit, on va faire ceci. Mais maintenant, quand tu vas dans le Congo, ça, entre nos gens, tu dis maintenant aux gens que non, c'est la jalousie, tu vois. Moi, je suis jaloux de toi. Si j'étais jaloux de toi, tu ne serais jamais aux États-Unis. Je suis jaloux de toi. Tu penses qu'avant de faire tout ça, je n'avais pas mesuré. Mais je me disais qu'à un moment, tu vas quand même être conscient. Hein? La conscience te viendra quand même à un certain moment. Tu vas quand même dire que, ok, ce que j'ai l'habitude de faire là, mon petit me connaît tellement, je pense que à lui quand même, je vais faire l'exception. On a eu une réunion. S'il vous plaît, partagez, vous faites le cœur, partagez. Partagez, vous faites le cœur. Envoyez le cœur. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le hall de bol. C'est le hall de bol. Parce que quand tu parles avec des particuliers, tu me dénigres auprès des particuliers. Je rigole. Je rigole parce que tu penses que tu peux être jaloux de toi. Ça a toujours été le contraire. Tu ne peux pas être jaloux de toi. Parce que le respect que j'ai eu à avoir pour toi depuis longtemps, je t'ai toujours dit que on ne fait pas toute chose à n'importe qui, à tout le monde. Tu n'as pas compris. Aujourd'hui, quand c'est menacé, tu vas... Je n'ai pas encore commencé. Hein. Je vous demande de partager. Je vais reprendre le relais de ce que je disais pour continuer. Je suis juste en train de faire des brèches. Donc, connectez-vous. Connectez-vous. Okolo, quand c'est mort, c'est mort. Quand c'est gâté, c'est gâté. Connectez-vous. Je vais vous faire écouter les choses. Je vais vous faire écouter les choses. Quelqu'un attend à ce que le cœur soit vraiment le genre de cœur où quelqu'un peut vraiment dire que vraiment, je reconnais tel truc, je m'excuse au fond de lui. Quand il arrive auprès de ceux qui savent que ceux-là ne vont quand même savoir la vérité, il fait semblant. Non, on va s'en rendre, c'est rien. Quand il arrive auprès de particuliers, paf, le dénigrement. Je ne veux pas parler de la chaîne de Longueuil, ça ne me concerne pas. Julien, je parle de pour moi. Hein? Je parle de moi. Je vais généraliser beaucoup de choses. Je vous ai dit de partager quand vous êtes sans, pour que je lance. Partagez. Partagez ça. J'attends juste 100 personnes.
Mettez le cœur, vous partagez. Mettez le cœur, vous partagez. Mettez-moi le cœur, vous partagez. Ce direct va durer parce que j'ai à dire. Donc, connectez-vous, partagez. 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 Après ça, je pense que chacun doit faire ce qu'il a à faire. Oui. Après ça, chacun fera ce qu'il a à faire. Partagez, 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 partagez. Ouais, Julien, tu es un gars d'un consamba du Pays-Bas. 6, 10, c'est nous. Voilà. Ouais. Zibinzi. Makondo, je suis là, je t'écoute, je vous lis. Quelqu'un a une préoccupation qu'ils mettent là, je vais répondre. Quand je vais vous voir là-bas, quand vous serez à 100, quand vous aurez partagé à 100, partagez le direct jusqu'à 100, avec le cœur. Allez, je fais le récap. Mon grand Julio, mon grand de Kembe, voilà un grand frère de Kelvin qui a connu, qui m'a connu dans ma comédie. Quand on faisait encore les sketchs. Les sketchs. On a commencé depuis, quand on faisait les sketchs avec les Masaya, avec Masayakop. On avait un là qu'on appelait Lafra. Lafra, Félix. Aujourd'hui, il est maçon. Voilà les gars qui nous ont vus venir dans les foyers faire la comédie. Hein? Voilà les gars qui nous ont connus. Aujourd'hui, on va venir me raconter quoi. Vous savez, dans la vie, ceux qui ont beaucoup peur, quand tu es un gars qui a beaucoup peur, tu dis toujours, ouais, si je fais ça, tel va dire quoi? Telle personne va dire quoi? C'est où on monte sur toi? C'est où on t'avale? Il y a des gens à qui on ne peut pas leur faire ça. Parce qu'on s'est toujours dit que non, ma ligne éditoriale ne me permet pas de faire telle chose. Ma ligne ne me permet pas de faire telle chose. Et d'autres profitent de ça. Pour t'appuyer. Pour t'appuyer. Mais je pense que cette fois-ci, on va mettre le point sur les i. Ne dis plus aux gens que c'est mon petit, on se connaît. Ne fais plus ça. Ne fais plus tes semblants devant les gens. Ne fais plus tes semblants devant les gens. Ne fais plus semblant devant les gens. Et tu arrives où tu vas arriver. Tu commences à dénigrer. Tu entres dans le dénigrement. Tu te battais hier pour avoir la vidéo. Parce qu'il faut avoir la vidéo. Après tout le mal que tu fais aux gens, tu es incapable de résoudre ce problème. Hein? Nous, les gars d'un corps, nous sommes les guerriers. Comme tu le dis bien, Bojiko Teka. On est les guerriers. Tu peux être devant nous là. Même quand quelqu'un veut faire au téléphone, les exécutions qu'on fait au téléphone là,
Le seul mot que je dis seulement, il dit que Abiman Foncom. Et la personne raccroche. Ceux qui me connaissent, si je lui ai fait quelqu'un, si je lui ai fait un truc, sauf par un malentendu ici à quelqu'un qui vient de noter ici, parce que c'est parce que je suis bête, parce que j'ai une conscience. Hein? Voilà. Vous êtes déjà à 72. Si vous avez partagé vraiment depuis avec les cœurs, je crois qu'on devait y atteindre 100. On devait atteindre 100. À 100, je démarre. Je démarre pour ne plus revenir par derrière. C'est bon, nous sommes déjà à 70. Partagez, nous sommes à 70. Dès qu'on va atteindre 100, je vais faire, comment on appelle ça? Je vais faire ma profession de foi. Et ce que je vais dire va m'engager avec Dieu. Parce que Dieu, c'est Dieu seul qui connaît le cœur des gens. C'est Dieu seul qui sait qui est qui. Pour les hommes, certains ont la possibilité d'avoir le discernement, mais pas tout le monde. Il y a des personnes que si tu leur dis par exemple, telle personne que tu vois, méfie-toi, telle personne n'est pas une bonne personne. La personne va la voir et dire, pourquoi il dit ça? C'est ce qu'il est jaloux. Avant d'aller maintenant, peut-être 3 années après, 2 années, 6 mois, avant ça te heurte, ça te touche, boum, tu dis, oh, si j'avais compris ce gars. Je n'échoue pas dans mes combats. Même tous ceux qui me connaissent, avec qui on a déjà eu affaire des matins. C'est quelqu'un qui m'a déjà gagné. Quand je dis quelque chose, je suis la ligne et j'ai raison. Parce que Dieu donne tôt ou tard raison à celui qui a le cœur pur. Hein? Je ne veux pas avoir affaire aux hommes. Je le fais maintenant parce que, après ça, comme on dit, les hommes et les femmes sont les ennemis là. Je te déclare là, je suis ton ennemi. N'ose même pas croire un jour que j'ai envie de te saluer ou j'ai envie de m'arranger avec toi pour être avec toi. Parce que j'ai compris, après l'arrangement qu'on a fait ici, c'était décembre dernier, après tout la maladresse que tu as fait, qu'on s'est mis, on a causé. J'ai dit à ces deux personnes qui nous avaient mis en causé que tu ne vas pas changer, que voici comme tu es. Ils ont dit non, c'est entre vous au Cameroun. Ici, il faut qu'on soit témoin. Parlons et de ça ici. Et on a parlé ce jour. Même une virgule n'a pas sauté. Monsieur, je sais pourquoi je dis même une virgule n'a pas sauté. Parce que l'objet de toute notre causerie, je l'ai. Du début jusqu'à la fin. Et depuis le moment que tu es devenu dangereux, sache que toutes nos causeries, tu veux nier un truc, je mets dehors. Si tu tentes de faire comme si tu veux nier un truc. Mais maintenant, je vais encore rester professionnel. Parce que si je veux toucher beaucoup d'angles, je vais aller dans un désordre. Si je veux toucher beaucoup d'angles, je risque d'aller dans un désordre. Parce qu'il y a trop d'angles chez toi qui touchent les points, qui peuvent réveiller les morts. Et ce sera comme si je profitais de ça pour finalement exhiber toute ta vie. Parce que chacun a une vie. Je dois respecter le paramètre d'autres vies. Je vais rester professionnel dans le paramètre qui nous concerne. Qui est le gain. Le gain et le comportement. L'envie de vouloir tout posséder seul. Sans remords. Ce que je fais aujourd'hui, beaucoup qui vont regarder mon direct vont pleurer. Beaucoup des victimes. Beaucoup des victimes vont pleurer.
beaucoup de victimes. Parce que on connaît. On connaît. S'il vous plaît, partagez. 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 Partagez, vous mettez les cœurs. Partagez, vous mettez les cœurs. Ah, Ig de Polacia, avec qui j'ai fait un Kumbana, ma poli qui tourne la sauce. Je culpabilise quoi? Je culpabilise quoi? Je peux pas culpabiliser. Jamais. Ok. Ok, maintenant je peux parler. En principe, je ne devrais pas revenir sur la toile. Je devrais stopper tout. Je suis revenu sur la toile parce que après ce qui s'est passé, tu n'as pas voulu te comporter comme une personne normale doit se comporter. Quand nos gens appellent, tu me dénigres. Tu dis que c'est une question de jalousie, que je vais te détruire. Si j'avais voulu te détruire, je t'aurais détruit depuis. Parce que tu sais, c'est ça qui m'a mis sur les nerfs. Bifaga m'a dit certaines choses. Tu étais chez Bifaga. Parce que tu cherchais, tu te battais pour avoir une vidéo qui va permettre à croire que tu as arrangé le problème avec lui. Et il fallait arranger avec moi. Je dis, j'ai pas de problème avec toi. J'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de causer avec toi. Parce que c'est les choses qu'on a l'habitude de faire. Ça ne donne rien. Quand tu finis, c'est comme une lettre à la poste. Dès que tu te retournes, même maintenant, si on te piège avec l'argent qu'il faut donner à quelqu'un, tu ne peux pas. Tu vas oublier que maintenant, là, tu viens sortir d'une situation. Parce que je peux en citer 1000 dans le même topo. Ok. Je voulais apporter un éclaircie sur certaines choses. Donc, tu as parlé avec Bifaga. Et j'ai trouvé beaucoup de mensonges. Donc, je vais révéler ça maintenant. Parce que si quelqu'un t'appelle, sache que la personne aussi peut m'appeler. Ne dis pas à la personne, écoute un peu. C'est que le petit man, c'est pas comme ça. C'est que voici. Or, malheureusement, non, c'est plutôt que. Moi, je peux pas parler de ma sœur ou de ma situation là-bas parce que c'est ma sœur. On va tourner, on va rester une famille. Et on sera contraint de faire les choses ensemble parce que c'est la famille. Mais avec toi, je peux ne plus jamais te saluer. Ça ne va rien m'enlever. Je peux ne plus jamais te dire bonjour. Ça ne va rien m'enlever. Surtout que j'ai essayé, c'est mon œil que tu peux, si c'est mon œil qu'il faut sucer pour avoir la langue, tu vas sucer l'œil là aujourd'hui. S'il vous plaît, mettez le cœur. Et vous partagez. Si c'est mon œil que tu vas sucer pour avoir l'argent, tu vas sucer l'œil là pour prendre pour avoir l'argent. Alors, je suis en train de dire que tu racontes aux gens que quand on est venu en Amérique, tu m'as aidé. Quand il y avait l'argent, on faisait ceci, tu m'as aidé. Tu m'as beaucoup aidé à faire ceci, à faire cela. Pourquoi les mêmes gens ne peuvent pas m'appeler? Je ne veux pas m'arranger avec toi. Même si je suis assis avec toi, ce sera pour dire tes vérités devant ceux-là. Et pour dire comment tu te comportes. Comment tu es tellement malin. Que tu peux t'asseoir devant quelqu'un comme ça. Tu parles de certaines choses. La personne va croire que non. C'est sûr que le gars s'est dit vrai. Et à partir d'aujourd'hui, comme je dis là, comme l'argent est juste bon pour toi là, je dis même au gars du Cameroun que tu as tant utilisé pour te faire de l'argent à toi.
Ils doivent arrêter ça. Combien de cérémonies, toi, tu as pris l'argent devant moi, 500 000. Tu prends une autre cérémonie ailleurs. Tu ne dis pas à la personne que tu ne peux pas être là. Après, tu me pousses devant. Après, tu me pousses devant. Tu appelles là-bas. Tu as les photos de perfusion, tu as les photos de ceci que tu utilises. Après, tu dis non, je suis malade, mais ce n'est pas un problème. Mon petit caladan va gérer ça. Je pars, je gère. Je suis conscient de l'argent que tu as pris. Tu vas ailleurs où on t'a donné encore l'argent plus. Tu prends. Tu prends les deux. Après, tu fais un dépôt de 40 000 sur 500 000. Tu vas là-bas parce que tu as pris 700 000. Tu mélanges. Tu es toi à l'aise. Et c'est ce que le défaut maintenant souffre derrière toi. Il souffre derrière toi. Tout cela. Mais quand il s'exprime, tu as la chair de poule. Donc l'esclavage là est fini. Tout le monde aime l'argent. Il faut que chacun retienne ça aujourd'hui. Personne n'est venu pour accompagner l'autre. Tout le monde aime l'argent. Tu ne peux pas utiliser les gens comme ça. Non, je suis malade, donc j'ai eu un problème. L'autre part prendre là-bas. L'argent, là, on travaille pour toi, on te donne. Tu vas là-bas encore, tu prends. Tu rentres toi, tu es toi à l'aise. Ça va finir. Désormais, tu veux travailler. Si on t'appelle pour un truc, si tu es d'accord, tu pars faire le truc là. Tu n'envoies pas les autres pour travailler pour toi. En mentant que tu es malade ou que tu as un souci. Ça va s'arrêter d'abord. Tu crois que quand tu fais ça, tu crois que je ne vois pas. Quand je vois, je dis, comment il peut être aussi comme ça à ce niveau? Mais après, je dis, bon, ok. Ok, ça va. Hein? Ça va. Tu bavardes quoi? Oui, Blagoya. Blagoya est où? Blagoya est où? Tu peux nous montrer une personne que tu as tenu la main jusqu'à il est devenu le genre de gars qui a construit sa maison. Tu vas dire que j'ai construit ma maison par rapport à toi. Parce que je suis un gars d'incombe. Il fallait que je quitte derrière toi très vite. Que je reste juste le genre de dire mon grand frère. Mon je dis souvent quoi, mon parrain. Montre-nous une personne. Tous là jusqu'au Yélé. Que tu peux parler avec eux. Montre-nous une seule personne que tu peux parler avec eux. Aujourd'hui, tu ne peux pas jouer avec Black Oya. Pourquoi? Parce que c'est à cause de moi. Parce que quand il s'agit d'argent, tu ne blagues pas. Il n'y a même pas la honte dessus. Tu as parlé avec Bifaga. Il a eu la chair de poule. Il me demandait l'éclaircie dessus. Le prince qui a utilisé Mut. Ah, Muta. Je ne veux même pas parler de Muta. Je ne veux pas parler de Muta parce que ça ne me concerne pas. Mais c'est des injustices. C'est des injustices. Il y a eu trop d'injustices comme ça. Trop d'injustices. C'était énorme. Mais je dis toujours, chaque personne doit apprendre à avoir une conscience. Mais ta part est morte. Ta conscience, elle est morte. Quand on t'appelle, tu dis des conneries sur les gens. Tu as parlé d'un problème de téléviseur à Bifadas.
tu as décidé de ne pas parler de ça aux gens. Pourquoi tu anticipes pour parler du téléviseur? Le téléviseur que tu avais voulu détourner. Ma part, que M. Carlos Cazé nous a offert. L'affaire du fameux téléviseur qui nous a amené les problèmes. C'est le téléviseur qui nous a amené les problèmes. Hein? Hein? Nous arrivons au Texas, chez M. Carlos Cazé. L'accueil a été comme l'accueil a été. C'est ta relation. Le jour qu'on veut, on décide de rentrer, on veut rentrer. Et ils nous réunissent, ils nous remercient d'être venus. On t'offre ton tapas de téléviseur, 80 pouces. 80 pouces. On m'offre ma part, 65 pouces. Je dis merci. Et le monsieur, chaleureusement. Le monsieur, de façon chaleureusement, le monsieur Carlos Cazé t'offre le 80 pouces. Il m'offre 65 pouces. Et il dit, vous allez arriver au Cameroun. Vous prendrez ça au Cameroun à partir de décembre, du 7 décembre. Vous allez prendre vos télévisions au Cameroun. On le remercie. Dieu me sauve que je filme mon téléviseur. Je filme mon téléviseur. Je prends la vidéo dessus. Après les magnania qui se sont déroulés, il faut attendre décembre. Parce qu'on est en septembre. Quand M. Carlos Cazé nous offre le téléviseur, il dit que ce sera au Cameroun en septembre. Après septembre, décembre, maintenant on est ici. On a quelques jours pour que le téléviseur arrive. On vient à peine de s'arranger parce que tonton Thierry vient de nous arranger. Par rapport toujours au fait, si je veux développer, c'est grand. Parce que c'est large comme ça. Il vient de dire que non, ils seront prochainement témoins avec Merlin. Ils ne connaissaient pas cette image. Aujourd'hui, quand même, ils seront témoins. Je suis en train de méditer sur mon téléviseur. Je dis, waouh, mon téléviseur là, comme je n'ai plus de base au Cameroun, je me disais que ça peut venir, ça me donne même un 10 000 pour que j'arrête mes poches avec. Hein? Hein? Je me dis que ça peut me donner 5 francs. Voilà que le téléviseur que je venais d'acheter à maman, lors de son anniversaire que j'ai posé à la maison, on me dit que l'écran a un souci. Je serai obligé de remettre le 61 pouces à maman. Alors que le téléviseur pourrait me donner un 5 francs, comme je sais que j'ai les enfants, j'ai laissé mes enfants au pays. Ça pouvait même les soutenir un peu. Tu bondis sur l'occasion. Tu dis non, le téléviseur, si tu veux, toi et moi, on fait les affaires, je peux te donner l'argent pour le téléviseur là. Je peux te donner l'argent pour le téléviseur, comme ça, ça arrive au Cameroun, je récupère et tu peux même, l'argent que je te donne, tu peux prendre, tu prends une partie, tu arranges pour maman avec. Et l'autre partie, ça peut t'aider. Comme tu dis, même pour les enfants. Hein? La chose curieuse. La chose curieuse, c'est que, l'affaire du téléviseur démarre. Je dis, oui, ok, tu veux acheter. Tu veux acheter à combien? Tu me dis, même 400 000. Je te dis, 400 000. Comment tu peux acheter un 65 pouces au général à 400 000? Tu dis, non, ouais, c'est entre nous, non, c'est entre nous. Pour finir, tu me convaincs. Je dis, ok. Transformons ça en dollars. Ça fait 700 dollars. Donne-moi donc 700 dollars. Quand le téléviseur arrive, tu prends. Tu dis, ok, j'ai un spectacle à Dallas. Hein? J'ai un spectacle à Dallas. Je vais, dès que je finis ça, samedi, dimanche en venant, je te donne les 700 dollars.
Voilà où nous, voilà où la deuxième phase de nos malheurs commence. Parce que tu as fait, la première était très grave. Où tu es allé au pays, tu étais dans ta voiture, avec Black Oya, les Ifiragan, et quelques petits. Ils t'ont posé la question, comment Caladan va aux États-Unis? Tu as flashé à ces petits-là, ils ont eu la chair de poule, tous. Ah, Caladan, vraiment, il est là. Tout ce que je veux parler, ce que je veux protéger certaines choses dans, pour ma famille. Il est là. Sauf que, il a des problèmes là-bas. Je suis plutôt bien vu où, où il m'a amené. Je suis comme un patron là-bas. Lui-même, bon, il ne lavait même pas les assiettes, on l'a même mis dehors là-bas. Et vraiment, tu sors un dénigrement pas possible sur moi, devant ce gars qui rêve de moi, quand il voit que, ouais, notre grand, c'est hier. Notre grand Caladan s'est battu, il est aux États-Unis. On te demande les nouvelles. Tu me gâtes. Tu dis que ça sert à même dit que. Tu sors les fax de ma soeur. Tu balances ça à ce gars-là. Tu me dénigres. Je suis surpris qu'après, dans les commentaires, il y a des mots forts que je n'ai pas envie de dire ici pour que ça heurte. Non, ça sert à la chasse à la maison. Il n'avait même pas les assiettes. Et en plus même, il n'a pas la... moi, par contre, quand j'ai un peu d'argent, je peux me dépanner sa soeur et tout ça, vraiment. Même Nilo. Quand Nilo m'appelle aujourd'hui, il ne décroche plus. Parce que, quand tu as dit que même Nilo a dit qu'il m'a porté dans sa voiture, il a porté dans sa voiture... Et il n'a même pas mis le carburant. Je t'ai posé la question, j'ai les audios, ce jour. Le jour que tu es entré aux États-Unis, j'ai fait déplacer deux voitures pour venir te chercher. Hein? J'ai fait déplacer deux voitures pour venir te chercher. Et à l'aéroport, tu étais bloqué parce qu'on parlait anglais, tu ne comprenais pas. J'ai dépêché une de mes amies qui travaille à l'aéroport. Elle est partie t'assister au service d'immigration. Quand tu sortais là-bas, la sueur sortait, coulait sur toi. Où on a fait la vidéo que te voici qui arrive. On a attendu fatigué. Deux voitures sont venues te chercher, mais tu es quitté ici avec moi. On dormait sur le même lit. Pour aller au Cameroun, dit que je joue au boss, j'ai mis la main comme ça sur la voiture. Tu connais la voiture que j'utilise quand je suis au Cameroun. Mais tu es venu, tu es allé au Cameroun, vouloir me dénigrer devant mes petits au Cameroun. Quand je reste les choses qui sont passées chez ma sœur, les gens me révèlent que c'est ce que ça vient de toi. C'est où j'ai eu ras de bol avec toi. J'ai dit finalement tu aimes qui? Parce que même Black Oya, quand tu as fait avec Black Oya, tu le dénigres. Quand tu as fait avec telle personne, tu dénigres. Tu ne peux pas entendre, on veut quelqu'un se plaint de tel petit ou bien de tel frère, tu dis ouais, c'est mon petit, laissé comme ça. Tu dis, je lui avais dit. Tu es toujours danger, j'avais dit. C'est pas comme ça. Parce que tu veux, tu es le style et l'hypocrisie que tu as est d'une, peut-être nous sommes victimes de certaines choses parce qu'on ne sait pas être hypocrite. Mais la grandeur de ça, c'est toi. Parce que tu peux dénigrer quelqu'un maintenant, même la personne vient, tu dis, hey, comment? Tu es là? Alors que c'est lui que tu disais que c'est un petit, il se prend, je ne peux pas et tout. C'est comme ça. Tu aimes qui? Tu aimes qui? Tu aimes qui? Voilà comment ça se passe avec moi. Donc, ils avaient arrangé le problème. Mais, j'ai toujours dit que ne m'étouffez pas, laissez que je lui dise la vérité. J'ai l'impression que le fait que, quand il fait quelque chose, il se dit qu'il a pris une couverture, il a couvert les yeux de quelqu'un avec. Avant de retirer après. Laissez qu'on lui dise, peut-être, parfois, on le pardonne toujours. Quand je le pardonne toujours de ses actes, tu penses que c'est parce que j'ai peur de toi. J'ai pas peur de toi. C'est parce que je me dis que tu vas changer. Je me dis que tu vas changer. Mais tu ne changes jamais. Parce que l'argent passe avant tout. Quand
quand je te pose la question, même pour le, que tu me donnes les $700 du téléviseur, tu me dis non, tu as un show à... On donne à la même maison, mais tu as tes shows. Alors que quand on entre ici, quand je suis venu te voir dans notre contrat verbal, c'est que je sais que tu as le nom que moi. Toi et moi, on peut faire boum aux États-Unis. Si on entre ici à deux. Seulement, je connais comment tu es. Fais l'effort de t'améliorer. De façon que quand il y a même 1000 francs, donc on a même 300. Avant de prendre le reste. Si il n'y a pas de problème. Quand on entre ici, tu deviens le lion. Quand il veut réclamer, c'est comme si j'étais devenu subitement un gars méchant. C'est toi qui nourris ma famille. J'ai ma mère à ma charge. J'ai mon frère qui a eu l'AVC, qui est à ma charge au pays. J'ai mes enfants. Et tu sais que je suis le père et la mère de mes enfants. Mais tout, tu veux prendre seul. Tu me dis que tu vas à Dallas faire une prestation. Tu auras l'argent, tu reviens dimanche pour me remettre les $700. Tu penses que tu as un cœur? Quand on entre ici, on est ensemble à la maison. On te contacte pour un contrat de Dallas pour venir faire la publicité sur le terrain de Dallas. Je t'écoute au téléphone. Comment tu fais les négociations? Je me dis qu'on va partir ensemble pour la pub. Parce que tu ne peux pas faire la pub seul. Tu peux juste faire une narration seul. S'il faut faire un scénario, il te faut une tierce personne. Connaissant que le petit si, il faut pas que le petit si voie le genre de réseau là. Il faut pas. Tu te lèves, tu me laisses à la maison. Tu demandes qu'on te coupe le billet d'avion. Tu vas à Dallas. Tu appelles Kenyé, qui a le restaurant à Houston. Tu lui dis, prends la voiture, viens me trouver à Dallas. Parce que nous avons fait les sketchs avec elle, chez Carlos. Et elle nous avait donné même l'argent. Elle avait promis qu'elle devait nous dépanner. Elle a donné $500. Et en donnant $500, c'était à la petite qui allait l'accompagner pour qu'elle prenne l'argent dans son compte. J'étais en train de dormir. Le dollar arrive, tu mets directement en poche. Tu mets tout ça en poche. C'est quand tu oublies que tu ne sais pas que j'ai son numéro, c'est quand je l'appelle le lendemain pour dire tu es finalement parti, je dormais. Elle dit ok, ça ne dérange pas. Mais la petite est quand même venue vous donner, non? Je dis quoi? Elle dit non, je n'ai pas grand chose à donner $500 à la petite de vous donner. Mais elle a donné à Fingon. Hein? J'ai demandé à Fingon que c'est comment. Il dit non, c'est une fille que je sens qu'elle va donner, laisse. Mais tu allais empocher l'argent seul. Tu allais y empocher. Tu appelles Karine que dis donc. Comme on avait fait quelques sketchs chez Carlos, tu lui demandes de te retrouver à Dallas. Tu finis de lui apprendre à faire le scénario de terrain. Ce monsieur compte $15,000. Il te dépose. Tu retires $700, tu lui donnes. Tu mets le reste en poche. Tu viens me trouver à la maison. Ta chèvre est là sur place. Un truc que si tu avais du cœur, tu pouvais dire mon petit si. Même si j'avais le sol à n'importe comment. On peut même lui donner même ses $3,000, il arrête sa poche aussi. Mince. 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 Tu prends tout. Et tu arrives, tu restes à la maison comme ça. Et tu viens te plaindre dans la maison où tu arrives peut-être, ma soeur a fait un truc, tu retires $100. Après, c'est toi qui passes par derrière pour dire à ma soeur que je suis dur, qu'on a eu l'argent à Dallas, la dernière fois qu'on est parti. Pourtant, à Dallas, on ne m'a même pas donné 5 francs. J'ai pris la scène, je me suis battu pour prendre le micro sur scène, là-bas. J'ai eu mes $700. Le reste, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Toi, tu as au moins plus de 15, 16, sans compter tout ce que tu prends à ton nom seul, tu mets dans ta poche. Mais tu viens, tu vois, tu commences à faire le commérage à ma soeur par rapport à moi. Question de vouloir déjà mettre une tension dans une maison où je t'ai amené.
Quand un gars réfléchit tout ça, tous les matins que tu fais avec quelqu'un comme moi, tu crois que moi, si j'ai encore envie qu'on s'asseye en cause, fous-moi le camp. Fous-moi l'air. Va. Va. Je n'ai plus envie. Tu prends. Tu vas à un contrat à Dallas pour une soirée, une autre soirée. Tu dis que c'est le du retour que tu vas me donner $700 du téléviseur. Nous, on vient te chercher à l'aéroport quand tu reviens. On te repose à la maison. Je tends la main. Je tends la main. Je te tends la main que bon, donne-moi alors mes $700. Tu dis non, non, non. Comme on est en train d'aller décharger justement l'argent du spectacle, l'avance du spectacle. Tu dis, on va arriver là-bas, il faut que je te gère. Et je ne sais pas où c'est l'enfant de Dieu ou c'est quoi. Où c'est l'enfant de Dieu ou c'est quoi. Je suis déjà au courant que là-bas, ton gombo de scène a donné $1,800. Sans compter ce qu'on t'a payé là-bas. Je suis assis avec toi. Quand tu reviens, tu fais comme une poule mouillée. Tu dis plutôt que non, c'est l'argent de la vente du spectacle dont on s'est gâté là. Que tu vas me donner. Que tu vas prendre pour me donner l'argent du téléviseur. Je dis, il n'y a pas de problème, allons-y. On arrive, on compte l'argent, on te donne. On va à ce Steve Park. Tu ne me donnes pas encore l'argent, je t'appelle. Je te dis, bon, donne-moi pas l'argent parce que je peux pas. On voit pas le bébé sans donner quelque chose au bébé. Tu me tires, tu sors $700, tu me donnes. Je tends la main pour la suite. Tu dis, non, c'est bon, j'ai les problèmes d'argent. Je dis, tu as les problèmes d'argent. Ça veut dire que tout l'argent qu'on m'était donné, tu ne m'as rien donné. $700, si c'est l'argent du téléviseur. Ça n'a rien à voir avec l'argent du spectacle, ce que tu viens de prendre. Ce jour, on était avec les amis du coach, chez Steve Park. Ils m'ont vu nerveux, fatigué. Ils m'ont vu frustré. Parce que j'ai médité et dit ça, c'est pas possible. On vient d'arranger nos problèmes. Hein? On vient d'arranger nos problèmes. Ça ne dure pas quelques fractions. L'argent tombe, tu vas encore prendre ça. Plutôt, il me programme chez Merlin. Nous, on va voir ça chez Merlin demain. Comme je rentre demain là, on va faire une dernière publicité de poisson chez Merlin. C'est que Merlin va donner, il va voir comment elle te donne. Je dis, mais si Merlin donne même quelque chose, j'ai pas. J'ai droit. J'ai droit à quelque chose là-dessus parce que c'est moi qui t'ai amené chez Merlin et on fait la publicité Merlin ensemble. Ce soir-là, tu m'as mis mal à l'aise. Tout le monde a vu constater que j'étais mal à l'aise comme un enfant. Les Tommy de Beaux-Arts, les Tommy Beaux-Arts, c'est lui qui m'a porté ce jour dans la voiture. Il a vu mes larmes parce que j'étais sidéré. Il dit que mais le casting et le type qui est finalement comment. Moi-même, j'ai mes problèmes. Tommy Beaux-Arts, je ne veux pas entrer dans son paramètre et le paramètre de tous ceux qui te connaissent. Parce que tu crois qu'on ne te connaît pas. Il y a le respect de l'art. Tu es un bon humoriste. Tu es un bon comédien. Mais tes dessous, c'est mauvais. Ne pense pas que un jour, tu ne vas pas rendre compte même à Dieu pour ce comportement que tu as envers les gens. Il y a eu des dossiers comme ça. Que j'étais couvert, les dossiers comme ça, j'étais couvert. Même Blago a subi derrière toi. Puis chacun ouvre la bouche, ça va sentir. C'est que nous tous, nous nous sommes dit que ça ne va pas passer par nous. Nous nous sommes dit qu'il ne faut pas que ça passe par nous. Quand il y a moyen, on camoufle, vraiment, on chuchote. Ça ne va pas passer par nous. Mais ce que tu m'as fait aujourd'hui, tous ceux qui vont oser vouloir dire n'importe quoi, je m'en fous. C'est parce que tu as exagéré. Et je t'attends maintenant. Va sur la toile. Tu dis un seul mot, si c'est la vérité, net, je vais rester calme. Tu mens, je sors les voices de nos causeries et de tout. J'explique net. Parce que je ne suis même pas en train. Il y a beaucoup de choses que je dois garder. Je dois aller seulement sur la lignée de ce qui va faire que tu me mettes sur les nerfs comme ça. J'étais mal. C'est même ce jour que j'ai eu le pouvoir de ma soeur. Hein? Parce qu'on arrive à la maison pour prendre la séparante. Ma soeur est malade, elle a mal au pied. J'ai pas au moins lui dit bonsoir dans la chambre. Hein?
Puisqu'elle a, elle a le plat au pied, c'est où ça, ça a dégénéré. D'abord, j'avais d'abord mon malaise de dépit. Le lendemain, je suis parti à la maison dormir. Le lendemain, toi, tu m'appelles à 29h, que je trouve moi chez Merlin, j'arrive. Merlin dépose le poisson, on fait la dernière pub sur le poisson. Hein? On fait la dernière pub sur le poisson. Tu tires Merlin par derrière pour causer avec Merlin. Tu penses qu'avant ça, je connais pas ce qui s'était passé. Quand le petit ici qui fait le dépôt d'argent, tu as failli t'a déposé l'argent, $800, tu as dit que c'est Merlin qui devait payer. Merlin a payé ça dans quel compte? C'est là que je t'ai amené pour qu'on fasse quelque chose pour partager ensemble. Tu es passé par derrière stratégiquement, tu as pris. Tu as obligé Merlin à payer les $800 au petit qui fait les transferts pour le Cameroun. Mais on est encore assis. Tu vas là, là, là. Tu ressors, tu me donnes, tu sors $200, tu me tentes, prends ça, tu arrêtes ta poche. Je dis mince. Finalement, tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Pendant ce temps, Robinson était là ce jour. Robinson. Il, parce qu'il venait te prendre pour te déposer à l'aéroport. C'est où je dis, mais finalement, comment tu veux que je me comporte avec toi? $200, c'est pourquoi? Comment tu es comme ça? Tu as plein d'argent sur toi. Tu peux pas donner pour quelqu'un. Tu, c'est au jour où tu me tends le doigt. Tu dis, hey, tiens, hey, arrête ça. Tiens, pour croire que, tu crois que tu as raison sur tout. Je te dis que... je te dis, mais mon frère, tu exagères. Demandons aux gens. Parlons même en privé parce que je ne veux pas t'exposer. Et tu sais, les gens sont aveugles parce que comme tu as la célébrité, tu te crois tout permis. Parfois, même une réalité devant, les gens ne voient pas. On voit ton humour seulement. On ne sait pas que c'est masqué avec ton cœur noir. Il y a trop d'ignorants. C'est comme ça. C'est comme ça que tu prends la voiture, tu pars. Je suis en train d'échanger avec toi. Tu te démarres. On te dit qu'on te prenne le sac pour que tu ailles à l'aéroport. Tu vas à l'aéroport. Le lendemain matin, je rencontre Steve Park. Steve Park me dit, Fingon m'a dit que j'enlève ton nom sur le spectacle. Que tu lui manques de respect. J'ai crié devant Tupac. Devant que j'enlève son nom. Tupac, tu connais ce qui se passe. Hein? Que tu enlèves mon nom comment? C'est son spectacle? C'est un truc qu'on a arrangé ensemble. On est en train de faire. Malgré que Tupac n'a pas pu faire la part des choses parce que Fingon est entré dans lui. C'est comme si le spectacle ne peut pas avoir lieu sans lui. Après toi, nous, on va organiser le spectacle en Amérique. On va te prouver qu'en Amérique, on vient soutenir parce que c'est la communauté. Pas parce que tu es plus fort que l'autre. Parce que ce que tu fais sur scène, je peux le faire. J'ai commencé à vivre l'injustice avec toi. J'ai dit, non seulement ils prennent tout l'argent. En plus, on arrange un projet. On est devant les maréchals, devant tout le monde, on annonce le projet. Hein? On arrange le projet. Et après, tu viens encore dire qu'on me met en effet. Tu fais tes tours au Cameroun. Tu viens, tu prends l'argent, tu rentres au Cameroun. Tu prends l'argent au Cameroun, tu fais tes tours. Moi, je suis sur place. Tous ceux qui sont là connaissent comment. Ce n'est pas facile pour quelqu'un. Sur place. Moi, que tu peux soutenir. Tu regardes tes intérêts. Quand tu t'assois au bar, tu me dénies. J'étais stupéfait ce jour que j'ai appris que tu as dit qu'on enlève le nom. Mon nom. Que te manque de respect parce que je t'ai demandé l'argent. Parce que j'ai réclamé mes droits. Sammy Diko était là ce jour, il a vu comment j'étais mal. Tommy Boza était là, Maréchal était là. Tu oses. Après ça, ce qui se passe, c'est que tu te permets de dire à Stipak que même l'agent du téléviseur que je lui ai donné, c'était une façon de l'aider. Je l'aidais seulement. Hein? Parce que j'ai trop besoin du téléviseur. C'est comme ça que moi, je dis, ok, comme il voulait seulement m'aider, hein? Comme il voulait m'aider, hein? J'ai dit, je serre le cœur. Je lui ai fait le message, là, là, là. Que je garde dans mes archives. J'ai dit, salut, Jean, j'espère que tu as bien voyagé. Ok. Je me rends compte que j'ai fait une erreur grave.
parce que j'ai voulu te vendre un cadeau qu'on m'a offert. C'est une mauvaise, ça a été une mauvaise idée, je viens de m'en rendre compte. S'il te plaît, donne-moi ton numéro OM, que je te rebalance l'argent. En France, c'est ça, qui va les 400, les 700 dollars. Hein? C'est comme ça qu'Ali me dit, ah, parce que tu es sûr dans ta tête que non, le gars est trop gamin. Parce que quand tu me manipules, tu es sûr que je suis trop gamin. Ali me dit, ah, tu as reçu les 400, tu as reçu 405 dollars. Donc j'ai les captures, j'ai tout. Hmm? 400 dollars, tu as reçu les 400 dollars. Les 400 000, 405 000 que j'ai envoyé. J'ai dit, on est quitte. J'ai dit, dès que le téléviseur arrive, je vais envoyer quelqu'un récupérer, je vais envoyer, donner à ma maman. On ne vend pas un cadeau. Parce que je savais que ça devait être l'objet de ton dénigrement. Que tu as même pris le téléviseur parce que tu voulais me sauver, comme je souffre. Je t'ai remis ton argent. Hein? Maintenant, le nouveau combat a commencé. C'est que quand je disais mes misères ici en Amérique par rapport à toi, sur beaucoup de points, je préfère traverser pour ne pas t'attendre sur là parce que quand quelqu'un va t'appeler pour dire est-ce que ce que le PC a dit c'est vrai, tu vas donner une autre version. Si vous voulez être sûr, si vous êtes avec lui, mettez la main libre. Si vous êtes quelqu'un, vous croyez que peut-être je mettais la main libre. Et sur les particuliers, j'envoie les voix de tous nos causeries quand on a commencé, quand il a commencé à entrer dans le désordre. Parce que je savais qu'il va mentir. J'ai gardé tout. Parce que je te connaissais. Il a dit que si un jour je me plains, le type s'il va dire n'importe quoi aux gens. Et c'est ce que tu fais. Beaucoup aujourd'hui là pensent que, oh, le petit là, comment il fait ça? Je m'en fous de toi parce que j'ai trop supporté. Et j'ai compris qu'avec toi, ça ne vaut même pas la peine de miser à 5 francs. Avec un bénéfice de doute même. Alors, je souffrais, mais je supportais. Il fallait payer le loyer, il fallait faire ceci. Déjà, nouvellement, je supportais. Sauf que, après, ce qui se passe après, c'est que je suis surpris que quand j'appelle le grand Carlos, que tu ne voulais même pas que j'aie son numéro, mais heureusement que sa sœur m'a beaucoup aimé et elle a vu ma simplicité, on a échangé, j'avais son numéro. C'est quand je prends son numéro, moi, sa sœur, je prends le numéro de sa sœur. Je l'appelle, je dis, je veux le numéro de monsieur Carlos Cazé. Je l'appelle, je lui dis, papa, pardon, pour le téléviseur, je voudrais que tu me donnes la date normale. Quand ça arrive au Cameroun, je veux être en possession. Il dit, il n'y a pas de problème, dès que le conteneur arrive, tu seras en possession de ton téléviseur. Je vais te dire. Sandrine, moi, je parle jamais. Partagez, mettez le cœur. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'enlève le mot parrain, là, je jette en brousse. C'est fini. C'est fini. Je vais être le bouc émissaire aujourd'hui. Je vais prendre la peine des autres, là, je mets sur moi. Beaucoup, là, ne peuvent pas parler. Ils savent comment tu organises au pays. Tu as arrêté Massa Yacob 20 jours parce qu'il t'a. Tu as organisé avec les amis, les relations gendarmes. On l'a arrêté. On ne peut pas me faire ça. Ce que tu fais en utilisant tes relations, moi, j'ai les mêmes relations au pays. Et au pays, c'est lui qui sait s'exprimer. On ne peut pas le malmener. Ce que tu fais, les abus que tu fais aux gens, que tu appelles les gendarmes ou tu appelles tes amis colonels, là, tu ne peux pas me faire ça. Parce que les mêmes contacts, je les ai. Et quand il s'agit de l'injustice, ils ne seront jamais d'accord. Je connais mes droits. Fais ça aux autres, avec ce que tu fais là. Et quand ça te dépasse, quand c'est déjà fort, tu prends le maquis. Je ne veux pas mêler certaines personnes jusqu'à ce que quelqu'un m'attaque avec mes sources sûres. Je ne veux pas mêler certaines personnes. Quand je parle, on se comprend de quoi tu es capable.
Ça, c'est quoi ça? Hein? Quand tu arrives, quand le téléviseur arrive au Cameroun, par réflexe, comme Dieu le dort, je prends le téléphone ce jour. C'est comme si... Allô? Oui, je suis en train de faire mon live. Je suis en direct. Je suis en train de faire mon live. Je reste une minute, je t'appelle. Comme je suis en train de dire, le téléviseur arrive au pays. Au hasard, j'appelle Monsieur Carlos Kazé. J'ai dit, tonton, c'est pour le téléviseur. C'est pour le téléviseur. Je voulais savoir, puisque la date que tu avais dit ça devait. Il dit, waouh, ça tombe bien. Si on vient de prendre ton téléviseur dans le conteneur, puisque on était obligé de lui donner comme c'est ton frère. Si on vient prendre ton téléviseur, parce que quand le conteneur sort du port comme ça directement, la base est à Yaoundé. Mais on n'a pas de base à Douala. Donc, il fallait libérer ce qui est il fallait libérer la marchandise, les produits de Douala. Donc, il était là, il a pris ton téléviseur. Donc, appelle-le là, qui te remet ton téléviseur. Il dit merci grand. Je raccroche. Je t'appelle. Et en t'appelant, j'étais très malin. Parce que j'avais déjà lu ton scénario. J'avais dit que comme j'étais remboursé l'argent, te connaissant, le téléviseur là va avoir subi. Je savais. Après, j'ai dit, bon, si un jour ça arrive, parce que si tu me débordes, il faudrait qu'en parlant aux gens, j'ai les preuves. J'ai enregistré notre causerie. Je t'ai appelé. Il a dit bonjour, mignon. Toujours avec le respect. Que je ne peux plus jamais te respecter dans ma vie, jusqu'à la terre finie. Bonjour, mignon. Je dis oui, bonjour. Je t'appelle pour te dire que, on m'a dit que tu as mon téléviseur, que le téléviseur est arrivé. Je fais comment pour être en possession de mon téléviseur? Voilà la question que tu me poses. Si un jour tu tentes de nier même devant quelqu'un, je mets la causerie. J'avais enregistré comment tu t'es exprimé. Je suis pas un bébé. Quand on est avec quelqu'un, on sait que la personne est dangereuse. Parce que quand vous dites, les gens sont comme ça. Quand il va vous donner les versions à ces gens là-bas, les gens vont dire que il va partir dans autre chose. Non, c'est pas ça. C'est que le petit, tu vois, non? Le petit est un peu, qu'il est un peu jaloux de moi. Tu étais jaloux de toi. Je savais depuis que tu es plus riche que moi, que tu as tout ce que tu as plus que moi. Je n'ai jamais regardé tes choses. C'est plutôt toi qui regardes ma part. Parce que quand j'ai acheté ma grosse voiture, tu as dit à tes gens dans le pays que je peux pas acheter la voiture là. Parce que tu es toujours dans une concurrence interne. Oh, par contre, moi, je ne peux pas te regarder parce que je ne peux même pas entrer dans la concurrence avec toi. C'est toi qui disais à tes gens que c'est sûr que, comme Madame Caroline Congelcam, Madame Caroline Gouchigel l'aime beaucoup, c'est sûr que c'est elle. Ça doit être elle qui a dû le faire avoir la voiture là. Parce que le petit là ne peut pas acheter la voiture là. Tu as dit ça avec tes gens. Même quand j'ai fait l'anniversaire de ma maman, je sais ce que tu as dit. Pourtant, je sais ce que tu fais. Bon, ça c'est le Congo, ça. Entre parenthèses. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour partager. Mettez les cœurs. C'est donc comme ça que je t'appelle. Je dis, je voulais entrer en position de mon téléviseur. On m'a dit que tu viens de prendre. Tu voici ce que tu dis. Qui t'a dit ça? J'ai dit, monsieur Carlos, tu réponds, il t'a dit ça quand? Est-ce que normalement c'était important, toutes les questions? Tu as pris le téléviseur, tu n'as pas pris. Il t'a dit ça quand? J'ai dit, il vient de parler avec moi maintenant. Tu respires quelques minutes, quelques secondes, et tu me dis, tu auras le téléviseur demain, les 13h30. Je te pose la question, et qui? Est-ce que le téléviseur t'appartient, mon père? Comment mon téléviseur
tu peux prendre là ma chose quelque part. Tu ne m'appelles pas pour dire, mon petit, voici ton téléviseur. Je fais comment de ça? Tu amènes mon téléviseur chez toi, pourquoi? Pourquoi tu te fais cette peine pour moi? Donc, un coup de fil ne suffit pas pour que je récupère mon téléviseur. Tu me dis que tu n'as pas encore le téléviseur avec toi. C'est demain, 13h. Tu fais la, ce que tu fais d'habitude. Demain, je t'ai déjà dit demain, 13h30. J'ai compris que ce que j'avais pensé dans la tête, c'est ça. C'est comme ça que j'appelle Flex. Je dis à Flex que je deviens déjà très énervé contre ce gars. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne veux pas dire. Je deviens déjà très énervé contre ce gars. Il peut m'arriver un moment que je sois à bout. J'espère que ma page, tu seras... Il ne faut même pas qu'un jour, si ce gars s'y abuse de moi à un certain niveau, si je veux m'exprimer, que peut-être il t'appelle, qu'arrête son direct ou bien coupe. Tu m'as précisé que tu as donné les droits de chacun. Mais quand je suis resté dans mon coin, parce que j'étais étonné, hein, tu m'as rappelé, toi le petit Fletch, tu m'as rappelé, tu m'as dit grand, vraiment, ce que j'entends là est mauvais parce que tu es un grand que depuis que je te connais, depuis 5 ans, tu es quelqu'un de trop, tu as trop de retenue, tu n'entres pas dans la saleté. Depuis même les choses qu'on fait, les claques, les trucs Facebook, tu ne connais pas ces choses-là. Tu as ton éthique. Si tu parles de quelque chose, c'est que c'est grave. Bon, maintenant, pour te protéger, Flet, je ne veux pas parler des autres choses. Maintenant, on nous met en contact. Il fait l'appel à trois parce que il t'a dit que c'est mauvais. Que si Caladan se fâche, c'est mauvais. Il faut régler le problème avec Caladan. Dès que tu as décroché le téléphone, on était à trois en ligne. J'ai mis l'enregistreur. Parce que je connais tes bêtises et ton arrogance quand tu prends la chose des gens. Comme tu prends pour beaucoup. Quand on veut blaguer, tu appelles quelques amis, gendarmes, aux relations que tu as. Hein? Tu, directement, quand tu appelles, tu envoies qu'on intimide les... On intimide les gens là. Quand ça traverse le niveau là, tu as une autre méthode. Penda, c'est une victime de toi, Mota Penda, c'est une victime de toi. C'est une victime, mais les gens ne peuvent pas comprendre. Tu ne donnes rien à personne. Même les terrains que tu as dit que tu as fait dans une vidéo que tu l'as donné, c'était le schéma. On ne donne pas quelque chose en tout cas avec la bouche. Tu as écrit un papier, tu le as donné. Wenda ne peut pas parler parce qu'il est au Cameroun. Il sait de quoi tu es capable. Mais c'est les gens qui meurent. Ils meurent dans eux. Comme ça. Tu fais tout ça pour faire le buzz. Hein? Tu peux donner. Tu as écrit un papier, tu as donné à qui? Tu n'as rien donné. Tu vas dans une forêt, dans un endroit, tu dis que voici votre truc. Montre un papier que tu as donné à quelqu'un. Ou à Pédala. Surtout que dans sa maladie, même ceux qui voulaient l'aider, tu as appelé certains pour les avertir qu'on ne l'aide pas. Je t'ai connu, tu as connu Pédala derrière moi. Si tu as eu quelque chose à lui donner, tu vas passer par moi. Tu passes aussi par les qui. Toutes mes relations que tu connais, que parfois on peut me dépanner 200 000 ou 500 000 avec tes poches. Quand tu pars, tu prends 2 millions, 5 millions. Tu donnes quoi à qui? Tu donnes quoi à qui? Tu donnes quoi à qui? Tu as donné quoi à qui? Beaucoup subissent. Moi, je connais. Mais je dis bon. Faut pas que ça arrive tellement à mon côté, de mes côtés, parce que moi aussi je sais comment ça se passe. Une fois. Voilà comment, comme je suis en train de dire, je veux pas perdre le fil. Mettez le cœur et vous partagez. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur.
quand le petit flirt nous met en contact à trois, qu'on causerie à trois, causerie à trois, voilà tes premiers propos. J'ai appris que tu es allé sur Facebook. Tu crois que j'ai peur de Facebook? C'est mon huile que je me lave avec. Je n'ai pas peur de Facebook. Hein? Déjà, tu dis aux gens que tu as dit, j'ai appris, tu as dit aux gens que c'est toi qui m'as amené en Amérique. C'est chacun qui compose son visa. Tu as compris? C'est chacun. Je vais d'abord te dire, tu parles de téléviseur, tu t'agites. Tu connais Carlos Ouf. Tu peux confisquer le téléviseur là, parce que c'est ma personne. Je t'ai laissé parler parce que j'ai appris comment ça se passe. Quand quelqu'un parle, pour avoir l'éthique, on le laisse d'abord parler. Je te prends ce téléviseur parce que Carlos, c'est ma personne. Hein? Tu commences. J'ai même refusé un spectacle. J'ai pu me battre pour toi pour que tu sois, tu arrondisses au moins ton billet d'avion. Il y a un spectacle. Darol voulait que j'aille au Mexique pour un spectacle, mais sans toi. J'ai refusé. Tu veux convaincre les gens pour entrer dans leur mentalité ou bien c'est toi et moi qui nous connaissons. Si on fait les choses aux gens, tu pourrais quand même connaître que ce gars de Caragan, depuis les étapes que j'ai traversées, le petit là m'a soutenu, il était toujours à mes côtés. Même quand tout le monde m'appelait que tu vas écoper, tu es derrière lui, tout le monde est arrêté derrière lui. J'étais toujours avec toi. Comment tu peux connaître que quelqu'un, tu es avec quelqu'un qui est comme ça, qui te connaît comme ça, même à la personne. C'est comme si tu crois, il y a un tissu que tu sors, tu fais comme ça là. Quelqu'un oublie quelque chose et tu fais comme ça là. Ce n'est que toi qui as ça dans la tête. Tu comprends pas. Tu me dis tout ça. Hein? J'ai refusé le spectacle à cause de toi. La preuve, on allait à Dallas ensemble chez Carlos. Tu sais, tu vas entrer dans le détail. Le petit te dit, Sergi, je n'ai pas appelé pour ça. J'ai appelé parce que le grand si, c'est un grand que je connais depuis longtemps. Je connais son tempérament. Il n'est pas dans les choses bizarres. Il ne connaît pas ces choses. S'il prononce un mot, déjà qu'il en a marre, c'est que c'est grave. Il faut arranger ce problème de téléviseur. C'est ce qui m'intéresse. Le reste, tu n'as pas besoin de me convaincre pour expliquer les trucs que tu expliques. J'ai demandé si tu avais fini. J'ai pris la parole. Je t'ai dit, à partir d'aujourd'hui, ne dis plus jamais. Ne dis plus jamais que tel c'est ma connaissance, tu le connais. C'est les mots que tu utilises quand tu prends la honte dans la honte pour partager. Tu as des problèmes avec le tas de personnes aujourd'hui parce que quand tu prends, tu ne partages pas. J'ai pris la parole, je t'ai dit, ne dis plus jamais ça. Ne dis plus jamais ça. Quand tu parlais de l'Amérique, je t'ai dit que il y a les gens qui ont même les 20 millions en main comme ça. Si, ils savent que s'ils ont les 20 millions, ils vont entrer en Amérique, ils vont entrer. La preuve, tu avais cherché trois fois, ça n'avait pas donné. Pourquoi tu ne pouvais pas entrer? Pourquoi vous ne savez pas respecter ce qu'on fait pour vous? Comme je te respectais toujours, comme mon parrain. Tu as fait quoi pour moi? Dis-moi. Tu m'as montré un bol de terre quelque part, ou tu as fait quoi? Hein? Moi, je peux pas répondre au téléphone, même si c'est le téléphone Facebook. Je peux pas répondre, je me libère. Parce que je ne cherche pas un arrangement avec lui. Il ne va jamais changer. J'ai essayé plusieurs fois. Je ne cherche pas un arrangement, je me libère. S'il est n'importe où, il veut mentir sur un truc, appelez-moi. Je vous donne les preuves qu'il veut, il veut juste mentir pour rien. Voilà comment ce gars, je lui dis, le téléviseur c'est ma part. Quand on a offert ça à Dallas, on t'a donné 80, on m'a donné 65. Si on voulait te donner, on devait te dire, voilà ça, si tu veux, tu donnes la Canada.
On a offert pour chacun à main propre. Jésus, tu dis que tu peux prendre ça parce que c'est ta personne. Je te dis que tu ne peux pas. Parce que ça ne t'appartient pas. Et je connais déjà ce que tu veux faire. Tu veux changer le téléviseur ou bien confisquer. Parce que tu avais déjà le cœur dessus depuis. C'est toi qui m'as d'abord dérouté avec ça en disant, quand je voulais dire qu'il veut donner à ma mère, tu as dit que non, je peux te donner. Parce que tu as fait tes appartements meublés, ce travail, tu vas mettre là-bas. Mais quand il s'agissait de me dénigrer, tu m'as dénigré une fois comme si le téléviseur c'était une faveur que tu faisais. Je t'ai remis l'argent. Remets-moi le téléviseur. Je t'ai dit pour l'Amérique, que tu veux dire aux gens partout, que tu dis la bêtise aux gens. Je t'ai dit que pour l'Amérique, ne parle jamais de dossier Amérique à quelqu'un. Parce que si j'explique ce que tu as eu en Amérique, on a eu en Amérique, toi et moi, ça va faire vomir. Ça va faire vomir. Donc ne dis plus aux gens que en Amérique, on a fait ceci. Parce qu'en Amérique, c'est ici que j'ai vu les vraies réalités. Ce que je n'avais jamais vu de ma vie. C'est ici que j'ai vu ça. Est-ce que le sentiment passe ici? Les gens qui ont le sentiment pour toi, il faut respecter ça. Après la causerie, on a fini par s'entendre parce que tu as dit non. C'est que je savais que tu avais déjà le téléviseur. Tous tes gars m'ont déjà dit. On a certifié que tu as ça à la maison. Mon téléviseur faisait quoi encore chez toi? C'est où je t'ai dit que sache que si tu tentes de changer mon téléviseur, j'avais filmé parce que je connais ta mentalité. Le lendemain, tu m'as montré, tu as dit, nous savons ton téléviseur n'est pas filmé. J'ai envoyé un expert parti contrôler. Il a contrôlé le téléviseur. Hein? Il a contrôlé le téléviseur. Et j'ai dit, porte maintenant. Tous les restes autour ont dit, tu viens de sauver ton téléviseur. Et j'avais sauvé le téléviseur. J'ai envoyé ça chez ma maman. J'ai dit, même si je souffre, je ne peux pas me rabaisser à un certain niveau avec ton dénigrement. Blagoya, aujourd'hui, tu as dit dans une vidéo, tu as dénigré Blagoya devant, tu as dit que c'est toi qui apportes. Blagoya dit, si c'est toi qui apportes, va faire les sketchs seul. Même si avec qui tu fais tes sketchs là, aujourd'hui, n'est-ce pas, tu ne fais que changer, pourquoi? Parce que tu fais avec elle après, quand la personne veut aussi avoir ses enfants, il n'y a pas moins, la personne passe seulement. J'ai fait les sketchs en Amérique avec toi. Tu m'as montré la magie sur les sketchs. Celui même qui filmait nos sketchs, lui, il a eu la chair de poule. Notre jeune petit là. Son nom va me revenir. Je donne les scénarios. On tourne. Dès que ça entre chez toi, tu envoies directement qu'on transforme pour mettre sur ta page. On a 4 sketchs qu'on a déjà fait. Tous les 4 sketchs, tu veux confisquer. Tous les 4 sketchs que tu veux confisquer, je dis, grand, va sur les 4, donne-moi un, pour que je mette aussi sur ma page. Tu prends quoi? Tu dis non. On va faire ta page demain, ce qui va partir sur ta page. Et je m'habille, on fait ma part. Quelques personnes qui sont en train de visionner, qui sont en train de regarder en live, rient tellement. Que oh, ceci, alors c'est la magie. Mais tu me prends pour qui? Là, là, là. Là, là, là. J'ai dit qu'on me remette la vidéo, tu refuses. Tu envoies qu'on fasse, qu'on mette sur ta page. Tu dis directement que tout le monde peut mettre sur sa page, non. Tu peux mettre, je peux mettre. Parce que tout, c'est pour toi. Les vidéos ont cessé en Amérique entre toi et moi. Parce que je t'ai dit que, mais, tu me devais y avoir au moins 2 vidéos. Parce qu'on faisait que les vidéos, même avec les sketchs de Molinex. Que mon frère Constantin, toi, m'a appelé en Angleterre, il m'a expliqué, je t'ai expliqué qu'on peut faire comme ça. On a fait le sketch. Tu as pris. Quand j'en avais ras le bol maintenant, c'est où? Tu dis que bon, ok, le prochain truc qu'on va faire, ça sera pour toi. On n'a plus jamais rien fait. Parce qu'il fallait faire juste pour que ça aille sur ta page, pour produire de l'argent, juste à toi. Juste à toi.
Est-ce qu'on serait comme ça? Est-ce qu'on exagère comme ça? Ce jour-là, même le petit là, son nom va venir. Alors, le nom du petit là va venir. Ce jour même, le petit est resté comme ça. Il dit que, mais, il vivait le scénario. Libère ça, laisse-moi comme ça. Quand c'est trop, c'est l'air. Il vivait le scénario. C'est comme ça que le lendemain, j'ai réussi à récupérer le téléviseur. Là. Quand je récupère le téléviseur maintenant, tu as une haine maintenant envers moi. Parce que je connais. J'ai essayé quand même de dire que bon, on va se saluer. Comme ça, tu es devenu crap envers moi. Maintenant, la promotion du spectacle commence parce que après, les gars ici ont dit qu'on ne fait pas ça. C'est un concept que vous avez expliqué ensemble ici qu'il fallait faire. Hein? On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne peut pas faire ce spectacle ici et dire qu'il t'enlève dessus. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Après toute la prise de gueule de certaines personnes qui connaissaient tout ce qui se passait, le grand Lati et tout le consort, tout ce qui s'est passé, hein, tout ce qui s'est passé là-bas, ce jour, Steve Tapp, malgré qu'il a mal joué son jeu, je comprends, il avait sa part d'intérêt, mais il connaît la vérité. Il dit maintenant qu'on peut me repêcher, me mettre dans le truc. Tous mes gens m'avaient dit, ne pas plus à ce spectacle. J'ai dit non. Si pas, je reconnais quand même que quand tu arrives en Amérique, tu as besoin d'un éclaireur. Il a été mon éclaireur ici. C'est lui qui peut me prendre, m'amener ici, m'amener là. Il faut au moins que je reconnaisse ça. Et que je baisse la tête. Parce que, mine de rien, même si c'est l'injustice qui a avancé, je dois baisser la tête. C'est comme ça. Alors, sauf que, quand on me remet, on met les affiches, la promotion commence. Tous ceux qui sont en Amérique connaissent comment je passais dans toutes les réunions, si possible, coller les affiches partout, parler du spectacle. Lors de l'anniversaire même de ma soeur de Douala, une de mes grandes soeurs là, Sylvanie, Marichal m'a donné le micro devant tout le monde. Je vendais les tickets. J'ai dit ce jour ne manquait pas. J'ai dit même si je suis pas content d'un gars comme ça, je vais faire la part des choses, on va rester professionnel dans le spectacle. J'ai parlé. Ceux qui étaient à cette cérémonie, à Tacoma Park, connaissent comment j'ai parlé du spectacle ce jour. Hein? Après, quand tu atterris ici, tu retournes chez ma soeur, où je t'ai amené. Tu dis, j'ai même suivi, tu dis aux gens que je voulais monter le coup quand on te chasse, ma soeur ne pouvait pas t'échapper. Parce que elle n'a pas le pouvoir avec toi, elle a eu le problème plutôt avec moi. Que tu es resté là-bas. J'ai compris l'affaire des babouches que tu expliques. Que je connais, je gardais parce que je trouve que c'est trop sale. Mais tu anticipes pour expliquer la voix baisse aux gens. Tu sais pas que j'ai les voices qui concernent tout ça. Tu sais pas que j'ai les voices de toutes les babouches là. Tu sais pas que j'ai l'interconnexion de tout ça. Tu peux justifier quoi par rapport à ça? Tu veux justifier quoi? Hein? Hein? Tu veux justifier quoi? Ton petit là, les Ramsès là, ils ont reçu leur paquet. À Dallas, on a vu le monsieur de la Guinée là, qui a remis les babouches pour chacun. On a remis pour Ramsès, tu lui as donné. Tu as donné la babouche à Ramsès. Toi, tu fais comme si tu avais oublié. Tu lui as donné son paquet. Tu crois que tout doit être seulement pour toi? Tu crois que tout sera seulement pour toi? Je peux parler pour les petits là, mais les grands doivent se manger entre eux. Je peux parler que pour les petits là. Hein? Qu'est-ce que tu veux me dire? Que tu ne sais pas ce que tu fais? J'ai appris, tu dis des trucs. Quand tu me dis des trucs, sache que si ça vient vers moi
et que c'est faux, je vais maintenant donner la vraie version. Je donne maintenant la vraie version quand c'est faux. Quand c'est faux, je donne la vraie version. Arrivé maintenant lors du spectacle, tu sais que j'ai les pouvoirs avec ma soeur. Tu insistes que les réunions soient là-bas. Tu récupères le spectacle, maintenant tu t'en appropries. Je dis toujours aux autres, restons professionnels. Et si on ne fait les réunions, on arrange le spectacle. Tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu as eu l'habitude de faire ça au Cameroun. Il y a beaucoup qui pleurent que tu as fait couler les larmes. Tu as fait les larmes ont coulé. Mais les gens ne peuvent pas voir, les gens ne peuvent pas savoir. Parce que quand tu fais, tu pars, fais tes skates, on dit, ouh, tu es le meilleur. Tu crois que tes skates te couvrent. Que à part le skate, tu ne peux pas être humain envers les gens. Tu ne peux pas être humain. L'humanité, tu as perdu ton sang-froid. L'homme. Regardez, écoute. Parce qu'il y a Manola, je sais pourquoi tu m'appelles, le gars. Laisse-moi d'abord, je finalise. On peut pas couper mon direct. Si tu veux m'écrire ou me faire le voice, tu me fais le voice à mon numéro du Cameroun. Me fais le voice à mon numéro du Cameroun. Je vais écouter. Tu peux pas couper le direct. Mon numéro du Cameroun passe. Mon numéro du Cameroun passe. C'est le 696. Si tu n'as plus le numéro, la grave, 696. 696, 69, 54, 57. 696, 69, 54, 57. Moi, je vais respecter ce que je fais le direct avec eux. Si tu as quelque chose à me dire, tu me fais le voice, je vais écouter. À un certain moment, les gens en ont marre. Tu crois que tous ceux qui rigolent avec toi, c'est parce que tu es trop bien. C'est ça qui te trompe que tu continues. Que tu continues. C'est ça qui t'amène à continuer dans tout ça. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Comment on va faire pour que tu te réveilles? Pour que tu te réveilles? On va faire comment? Hein? Telle là, je vais faire la gendarmerie, il va l'arrêter. Il dit, mais tu la gendarmerie, arrête pour pas une célébrité. Fais attention. En voulant faire les abus aux gens, tu peux porter ta part. Fais attention. Hein? Fais attention. Tu peux porter ta part parce que ce n'est pas tout le monde qu'on abuse comme ça. Hein? C'est pas tout le monde. Ce qui m'a énervé dans tout ça, c'est parce que tu es incapable d'expliquer les choses aux gens. Tu dis aux gens que c'est les gens jaloux de toi. Tu peux être jaloux de toi. Moi, je peux être jaloux de toi. Je fais la concurrence avec toi dans quoi? Tu es un grand par rapport à notre métier. Mais après la grandeur, là, Nick, tu n'as aucun sens. Et c'est ça qui te trompe. C'est ça qui t'amène à te comporter comme ça envers les gens. On finit un truc pareil. Tu personnalises le spectacle. J'ai expliqué déjà dans la première vidéo, je ne veux plus revenir dessus. C'est un petit point que j'avais eu envie de toucher. Enlève les yeux sur les choses des gens. Tu n'as personne à épater. Je dis toujours ça. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Même si tu veux qu'on te lave au village, on peut te laver. Il n'est jamais trop tard. Enlève ton œil sur la chose des gens. Enlève ton œil sur que tout doit t'appartenir. Je t'ai déjà dit, même si tu as 10 immeubles, même si tu construis n'importe quoi, tu ne seras pas le premier. Manola a déjà construit tout ça. Mitumba a construit tout ça. Tu as entendu le nom de Mitumba dans ces choses? Parce qu'il s'est partagé.
Il est professionnel dans ce qu'il fait. Il a une conscience. La vie, ce n'est pas la course. Parce qu'il faut à tout prix que ceux qui t'encouragent dans la bêtise. Parce qu'il y a ça. Hein. Il y en a qui vont t'appeler pour dire que ben, le petit là est jaloux. Le petit là est ceci. Vraiment. Pourtant, je ne savais pas qu'il peut faire ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Quand ça atteint un niveau, tu comprends? Tu arrives ici, je souffre derrière un spectacle, j'annonce partout, je fais tout. Les gens de l'Amérique ont commencé à remarquer que mais il, pourquoi vous devez faire le spectacle ensemble? Pourquoi on voit toujours la réunion juste ce type de bifaga et toi vous n'êtes pas là? Pourtant, là, ça vous concerne à deux. Hein? Après, tu oses, après les clauses d'un contrat, que tu pourrais rester professionnel, dire que le gars, c'est le petit si. Je chope tout seul seulement, mais le petit si, il faut quand même que ce que j'ai ouvert ma bouche, on a parlé. J'ai pris. Il faut que je donne sa part. Parce que j'ai déjà quand même abusé. Je te permets d'envoyer si tu parles de me dire qu'il me donne $500. $500. C'est où j'ai compris que non, là c'est mort, c'est gâté. C'est où j'ai compris que c'est gâté. Hein? J'ai dit, pour prouver ma dignité, tous ceux qui me connaissent savent comment j'évolue. 100 personnes peuvent être contre moi parce qu'on suit juste le vent en poupe ou on suit telle chose. Je ne coupe pas. Même si ça fait 10 ans, on va me donner raison. Et comme je le dis là, si tout ce que j'ai dit sur toi, il y a un dénigrement devant Dieu, si ce n'est pas la réalité, si je mens même d'une seule virgule seulement, si je mens d'une seule virgule, que le karma me prenne. Que je reçoive tous les malheurs de ma vie parce que j'ai voulu te délivrer. Parce que c'est toi qui cherches ça. Je vais garder dans mes tiroirs les grandes lignes. Si tu veux qu'on entre dans la boue, toi et moi, on va entrer dans la vraie boue, on va recommencer. On va sortir les dossiers du tiroir, on va recommencer. On va entrer dans la boue et les témoins sont là. Et je ne veux plus rien. Ne tente pas de dire que tu veux un arrangement. Je ne veux pas. J'ai compris que quelqu'un comme toi, tu vas rester loin de moi. Parce que tu ne peux rien m'apporter. Tu n'as le sentiment avec personne. C'est ton petit sourire là, ma chienne, tu vas expliquer les bêtises aux gens. Tu n'es pas sérieux. Il y a des choses qu'on ne fait pas aux gens. Quand on fait, on doit limiter. Yélé aujourd'hui que tu parles là. Yélé, tu peux parler avec Yélé aujourd'hui. Hein? Hein? Tout ça pourquoi? Tu connais le dossier. Ce jour, il t'a dit que tu vas encore construire notre immeuble avec nous, va construire ton immeuble seul. C'est pourquoi il y a plein de gens quand on voit dans l'ignorance. Si on dit à quelqu'un que ce que tu fais là, méfie-toi parce que telle chose a fait. Les mêmes personnes vont aller dire que telle personne a dit. C'est pourquoi quand quelqu'un entre dans son trou avec toi, on laisse la personne partir jusqu'au bout, jusqu'à se cogner face à un mur avant de rentrer. Hein? Donc je me retire aujourd'hui, toute amitié avec toi, c'est foutu, c'est fini dans l'air. Je ne veux plus rien. Je t'entends dire un mot seulement qui concerne un point entre nous. Ce n'est pas la vérité. Maintenant, je vais mettre les voices avec ta voix. On va faire maintenant la guerre. Je vais mettre maintenant les voices. Donc tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un. Dis la vérité aux gens. Dis que tu es cupide. Dis qu'il y a un esprit en toi, là. Que tu ne sais pas si, où l'esprit là sort. Parce que parfois, il me demande si c'est l'excès de sagesse.
Fais attention aux gens qui ne parlent pas. Hein. Faut faire attention aux gens qui ne parlent pas. Parce qu'on dit toujours, non, est-ce que la vie devrait être comme ça? Faut que je m'éloigne de tout ce genre de choses, que je suive mon traîneau et tout. Et tu marches sur moi chaque jour. Si je subis l'injustice sur toi comme ça chaque jour. Hein? Toi-même, dis-moi. Ton écurie, là, dis-moi. Les gros gaillards, là, qui sont derrière toi, là. Qui ont déjà vieilli, que tu pourrais même les chercher les femmes jusqu'à les mettre même dans une maison. Tu fais quoi pour eux? Tu fais quoi pour quelqu'un là-bas? Tu peux même dire qu'une personne. Tu as voulu les confondre à moi. C'est ce que tu as voulu faire ici. Si je ne me sortais pas comme un lion pour aller me chercher. Et ce qui m'a sauvé, c'est mon honnêteté. Dans tout ce que je fais, l'honnêteté. Hein? Je t'ai dit quelque chose. Retiens ça. Peut-être je vais mourir avant toi. Mais même quand je vais mourir, je suis sûr que ça va se produire. Quand l'humilité d'un président de la République finit, parfois on lui porte plainte. Et il se calme en prison. C'est ce qui va t'arriver avec ce comportement. Ton arc, tout le monde rigole avec toi. Et ça t'embrouille. Tu crois plutôt que c'est ça qui peut te permettre de marcher sur les gens, de causer l'injustice, le préjudice à tout le monde. Viendra le moment. Hein? Viendra le moment où tu vas vouloir faire comme ça ne va pas donner. Tu vas faire comme ça ne va pas donner. Et tout le monde va te lire. On va te lire comme ça. Chacun va dire tout le mal que tu as fait. Que tu les as fait. Donc, aujourd'hui, ce qui m'a le plus énervé, c'est les choses que je n'ai pas oubliées. Même l'affaire de Babouche, je garde encore. Ose seulement. C'est toi qui as voulu qu'on en arrive là. Parce que tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère. Même les braqueurs ont le sentiment, si tu touches l'enfant du braqueur, le braqueur va pleurer, les larmes vont couler. Tes larmes coulent à quel moment? Tes larmes peuvent couler sur quelqu'un à quel moment? Sinon, tu peux imaginer que moi, si. Hein? Sinon, quelqu'un comme moi, si. Tu pouvais imaginer que tu, à tout le monde, tu veux me les voir tomber, marcher, piétiner, marcher sur eux jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Tu oublies très vite. Tu ne penses qu'à l'argent. Et tu as le dénigrement pour les gens. Quand tu dénigrais Bifaga, ça m'amusait. Hein. Que tu voulais seulement l'aider. Tu aimes toujours aider seulement les gens. Que tu le mettais là, on faisait un spectacle avec lui. Tu voulais seulement l'aider. Ceux qui parlent avec toi, qui te saluent là, ils te saluent parce que, humainement parlant, il faut qu'au moins qu'on se salue. Mais cache-toi, tu écoutes ce qu'ils disent de toi et c'est vrai tout ce qu'on dit. Frère, on écrit que non, j'aimerais si j'entendais à mon jeune frère Galagan. Quand ça brûle hier parce que tu veux avoir l'âme dans ton spectacle, c'est où tu oses. Mais il dit que non, mais si j'ai entendu avec mon jeune frère Galagan, tu ne t'es pas entendu avec moi. Parce qu'il ne peut même pas parler avec toi. J'ai essayé plusieurs fois, on a parlé. Tu voulais toujours étouffer parce que tu as, quand on veut parler la vérité devant certaines personnes, tu dis, non, attends, tu bloques. J'étais toujours dit, ne bloque pas. Laisse, je m'exprime. Parce que j'ai l'impression que tu veux seulement qu'on dise qu'on a un jeu et après tu recommences. Laisse que je te dise jusqu'où tu peux arriver et tout ce que tu fais. Laisse que je te dise. Peut-être que ça peut t'amener à changer parce que peut-être tu as l'impression qu'on ne voit pas ce que tu fais. Tu veux toujours camoufler. Non, ça va. On a arrangé tout et tout. On a arrangé quoi? Tu parles en bien de qui? Tu parles en bien de qui?
J'en avais marre. J'en avais marre. J'en avais marre. Une personne ne peut pas être tout le monde se plaint. Je ne veux pas parler de temps et condom et tout. Parce que nous, on connaît comment ça se passe. Si Tanya s'exprime, on va dire que tu il est jaloux. Parce que Fignon est plus célèbre que lui. C'est pourquoi il est jaloux. On ne peut pas parler. Parce que c'est toujours vous, l'opinion publique, c'est toujours vous qui faites qu'il y a ces choses-là. Il faut apprendre à un certain moment à mettre chacun à sa place. On a connu, hein, même les PGD ici en Amérique, qui sont très lourds, qui pensent qu'ils peuvent piétiner tout le monde. C'est en une virgule comme ça qu'on te rappelle seulement qui tu étais. C'est pas comme ça qu'on se comporte avec l'être humain. À un moment, il faut rester comme ça. Tu n'as pas même le sentiment avec certaines personnes. Tu dis que celui-ci, c'est mon frère. Tu vas parler aux gens. Tu ne dis rien aux gens. Tu dis seulement ce que les gens veulent entendre. Mais au fond de toi, c'est pas ça. L'esclavage est fini à partir d'aujourd'hui. L'esclavage est fini. Tu vas travailler maintenant ton argent. On t'invite, tu pars. Mais tu prends deux mariages pour donner l'autre en dépôt. Parce qu'il va venir juste prendre l'argent de scène. C'est lui le rescapé maintenant. Blagoya est sorti dans ça. Tu prends tout l'argent. Tu restes toi, tu t'assois. On se comporte pas comme ça. Hey! Tu es tellement sûr de toi en tout. Tu es tellement sûr de toi en tout. On a tellement éteint le feu avec toi. Éteindre le genre de feu qu'on prend sur nous. On bloque comme ça là. Que ça ne sorte pas, ça va aller comme ça, on bloque, ça va aller comme ça, on bloque. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance. Il y a ça même dans le showbiz. Même quand tu regardes les films américains, il y a des gens qui prennent la balle pour quelqu'un. Nous, on l'a fait à l'époque. Je l'ai fait. Il n'y avait même pas ce genre de succès d'aujourd'hui. C'était dans une situation où tu ne peux pas imaginer. Je ne lâche pas ceux qui me connaissent. Je ne lâche pas. Si je dis que tu es ma personne, si tu es loyal, la loyauté, je ne te lâche pas. Je ne laisse personne. Même si tu veux tomber, tout le monde te fuit, je suis avec toi. Mais il faudrait aussi qu'à la bonne saison, tu penses aussi à moi. Ou bien qu'on sache être fidèle en amitié. Donc, à partir d'aujourd'hui, moi, je te dis, non. Toi, fous-moi l'air. Fous-moi l'air seulement. Fous-moi l'air. Fous-moi l'air. Je ne veux rien arranger avec toi. Parce que tu ne mérites pas que je reste avec toi. Même quand on était chez ce monsieur, Fortuna Fond, tu as vu, je ne parvenais même pas à te regarder, à m'asseoir avec toi. Je n'ai pas la haine envers les gens. Ceux qui me connaissent savent. Mais je suis juste le genre de personne que si tu me tiens tête inutilement, je vais tenir tête même si... Et à chaque fois que je tiens tête à quelqu'un, j'ai raison. Parce que tous ceux qui sont avec toi peuvent t'encourager. Mais au fur et à mesure, ils vont s'estiper un à un pour venir encore dire non, tu avais raison. C'est ce que j'ai eu dans mon histoire de vie toujours. Si je me plains de quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose. Je n'arrange plus rien avec toi. Va continuer à faire tes choses à les gens. J'ai seulement un seul message qui parle, tu peux parler mal de moi. Si ça concerne tel côté, je mets. On va voir qui va se rouler dans la boue. Je me suis jamais intéressé à toutes ces choses-là, pas parce que j'ai peur. Tu sais,
On est comme moi. On est les deux. Tu es comme moi. Hein. J'ai mis la craie et le charbon sur le visage. Le plume qu'on s'en bat. Hein. Même ma maman ne voulait pas que je fasse le mou parce qu'elle disait que quand je passe, on dit que voilà l'enfant, je suis fou là. Comme ça. J'ai continué dans le mou. On s'est mis ensemble quand je travaillais déjà. C'est Général Bifala qui m'a pris. Je travaille avec lui à l'émission Bizarre. Après, on m'a sollicité. Tom Jones perd son nom, Maman Dinali et Joyce Fotso, que je félicite beaucoup aujourd'hui. Et que je dis, c'est une maman. Elle ne sera justement pas contente de ce qui se passe, je sais. Parce que nous, on n'a jamais opté pour ça. Parce que tout cela m'ont toujours dit. Tu sais déjà comment il est. Elle ne sera pas contente, je le sais. Mais si un jour elle comprenait que j'ai sauté d'un immeuble, je suis mort, elle va pleurer. On va mettre mes affiches à la télé. On va dire, c'était notre bon gars, on va montrer mes œufs. On va dire, père à son âme. Quand tu te libères comme ça de quelqu'un pareil, ça t'apporte la paix. Ça t'apporte la paix. Ça t'apporte la paix. Tu te libères. Parce que quand c'est trop, c'est au télé. C'est où j'ai commencé à faire l'émission matinale. À RPM. Avant ça, j'étais à Bagatelle avec père à son âme, le casino à la résister. Après, on m'a déniché à Ritam Shotrin. Ritam Shotrin. Le concept comme caravane mobile. En vidéo aujourd'hui, RPM le faisait avant. Dans les quartiers chauds. C'est où je prends vraiment le micro devant les Tom Jones et tout ça à construire. C'est où il dit le petit c'est formidable. Hein? Le petit c'est formidable. Il est fort. C'est où on me convoque. Petit malheureux que j'étais. Je travaillais dans les bus. Je faisais l'humour dans le bus. C'est toi qui m'avais appris l'humour là. J'ai rectifié ton français parce que j'ai été un peu sur les bancs par rapport à toi. Tout cela laissait. Tu veux sûrement dire que tu as été mon, que tu m'as aidé en quoi? Je n'ai que connu des prêts durs. Et parce que j'avais des grands conseillers qui me disaient toujours, calme-toi, fais profit bas. Fais profit bas. Fais profit bas. Fais profit bas. Donc, s'il y a quelqu'un que je peux dire le plus grand merci, il y a Joyce. Parce que elle a comme le fouet sur moi. Quand il faut me fouetter, elle me fouette. Et c'est ça qui m'a permis de grandir. Parfois, j'ai parlé, je vais pleurer. Je pleure quoi? Tu es plus wise que moi. Tu as justement plus de cœur que moi à faire le mal aux gens. Mais tu n'es pas plus wise que moi. Je connais beaucoup de choses, mais je ne pratique pas. Beaucoup de gens parfois me confondent, mais après, au fur et à mesure, ils disent que, ouais, j'ai pas connu une si bonne personne comme toi. Ne me fais pas me rappeler des choses. Les injustices que j'ai subies derrière toi. J'ai eu toutes les pleurs, les larmes de mon corps. Avec une injustice que j'ai subie derrière toi. Par rapport à un bonhomme que j'ai amené te voir un jour. Et quand je parlais de Joyce, que je me suis rappelé de ça. Par rapport à un bonhomme que j'ai amené, on a amené à suite FM un jour. Tu as voulu me foutre la honte de ma vie. Derrière ce bonhomme. Mais on a trop d'histoires. Je ne peux même pas aller dessus. Parce que c'était trop fort. J'avais coulé les larmes. J'ai pleuré. Si j'explique, c'est trop grave. Certains vont comprendre la connotation. C'est ce Joyce qui était venu te dire quelque chose. Et c'est depuis ce jour que j'avais dit à Joyce, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus dire Joyce parce que tu ne me dépasses pas de très loin. Je t'appelle maman parce que tu es une mère. Je le lui avais dit. J'ai dit, je vais t'appeler maman à partir d'aujourd'hui. T'appelais maman parce que elle avait su te mettre à ta place ce jour. Et elle t'a dit, Fingon, il faut cesser. Elle t'avait dit quelque chose de fort. Fingon, il faut cesser de faire du mal aux gens. Et à tes proches.
parce que tu penses que tu es célèbre. Tu fragilises l'amitié en le faisant. Parce que tu es sûr que tu peux le contrôler. Un moment, tu vas le rendre fragile. Il ne pourra plus supporter. On ne fait pas ça. Elle t'avait dit, mets-toi à sa place. Est-ce que si on te faisait ça un jour, l'injustice que tu as voulu faire, si elle te faisait ça un jour, s'il te faisait ça un jour, tu pouvais? Est-ce que tu peux t'en sortir? Parfois, elle veut garder, je garde quoi? Hein? Quand je tolais ma maison, c'était en 2010, quand je tolais ma première maison, quand je faisais dans ma débrouillardise, je venais donner à boire au maçon. Je rencontre un petit qui me parle de Banganté. Oh mon grand, c'est comment? J'aime trop ce que tu fais. Je reste humble. Après, le petit me dit, grand, pardon, prends une bière, s'il te plaît, ne refuse pas, prends une bière, tu bois. S'il te plaît, j'aime tellement ce que tu fais. Tellement que le petit est humble, je prends la bière, j'ouvre. Dès que j'ouvre la bière, le brasserie me soutient, c'était la 33. J'ouvre la 33. Ça a gagné. Je rappelle le même petit, je dis, petit, tu m'as donné vraiment ta bière avec un seul cœur, ça a gagné. Je te remets aussi une bière. Je lui remets la même capsule, je complète tout, c'est 100 francs dessus. Je lui remets une bière. Il dit merci, grand. C'était son intro. Il me dit, grand, j'aime trop ce que tu fais, vraiment. Si on pouvait travailler ensemble dans le domaine, j'ai fait la comédie au village, j'ai fait comme ça, comme ça. Je vois tellement. Moi, il n'accepte pas trop de gens vers moi, honnêtement, pour le dire. Parce que les gens, pour avoir des personnes comme moi, sur 100, pour le dire, pour trouver 5, la loyauté, la protection. Beaucoup vont se demander toujours, quand on me confond souvent à l'humour, parce que les humoristes, machin, sont dans les trucs, ou bien boire, faire des trucs, des autres. C'est parce que j'ai fait l'église. J'ai pas dit que je suis très bon. Et j'ai une conscience avec la Bible. Même si je suis pas un faible pratiquant, il y a des lois que je ne peux pas, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je prends le petit. Ça, c'est au moment où tu allais en France. De temps en temps, tu revenais. Et on travaillait à Suite FM. Je prends le petit quand tu es absent. Je lui permets déjà de travailler avec nous, faire quelques petits rôles. On fait des petits rôles ensemble. Un jour, et à chaque fois quand tu revenais, je lui dis, bon, c'est quand on est revenu. Tu sais, j'ai pas le droit de faire venir quelqu'un ici. Mais comme il est revenu, je veux pas avoir de problème avec lui. On va continuer à faire nos petits sketchs pour que tu sois célèbre. Donc, il faut que tu attends. Mais un jour, curieusement, tu m'as surpris. Tu es revenu du Cameroun. Au Cameroun, tu m'as surpris. Donc, tu m'as pas annoncé. Je croyais que je vais toujours faire l'émission seul. Dès que tu arrives, tu t'assois. Et le petit est à côté. Tu me demandes, c'est qui ça? Je t'explique avec plaidoirie. Voilà, c'est notre petit. C'est vraiment, il est très gentil. Quand tu n'es pas là, il m'aide aussi dans le second rôle, dans les sketchs. Hein? S'il vous plaît, mettez les cœurs, non? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, vous partagez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je t'ai supplié pour que tu restes, on reste avec le petit, qui ne nous empêche à rien. On peut faire avec lui. Après, tu as parlé 2 mois avec lui, il t'a répondu. Après, j'ai commencé à voir comment, j'ai appelé le petit par derrière, j'ai dit, soumets-toi juste, c'est notre frère. Il peut t'accepter parmi nous, ça va plus faire le bien pour que tu aies aussi un peu vite le nom. C'est ce que j'ai dit au petit. J'ai dit, tu vois comment ça va passer et tout et tout.
Moi, j'aime pas les gens, les choses qu'on marche avec les compagnies, où on va commissionner les gens. Va faire ça. Moi, avec les tildas, je ne suis pas dans ce genre de choses. Le petit, tu as commencé à t'entendre avec le petit. J'ai dit au petit, tu vois, avec lui déjà et moi, si on est avec toi, ça va marcher. Ça va marcher. Un jour, je faisais une tontine. Le petit était déjà bien avec toi, vous causiez bien. Après peut-être 2 semaines, j'ai une tontine, j'arrive en tontine, j'ai un remboursement à faire. Je ne savais pas que j'avais un remboursement. J'appelle le petit. Pardon, tu peux me trouver 20 000, 50 000. Je rembourse en semaine. J'ai un remboursement là et tout. La tontine à l'époque, en 2010, là, c'était encore une. On était tout jeune. Le petit vient, il dit, je n'ai pas sa mère. Je peux te donner 20 000. Le petit me donne 20 000. Je me bats, je complète. Je fais le remboursement. Et je lui dis, OK, je vais te rembourser ça au plus tard dans une semaine. Il dit, sans problème. Je suis malade à la maison, je suis couché, je ne suis pas allé au boulot depuis 2 jours. Le petit, tellement il marche déjà avec toi. Missé, qui est un des gars que tu as beaucoup déçu. Je ne veux pas entrer dans vos choses, comme ça. Quand je parle de Missé, tu sais de quoi je parle. Il est le frère du gars, il cause avec le gars. Quand le gars se rend compte, il utilise une maladresse. Quand il se rend compte que Missé est ton gars, comme ça, il se trouve qu'il n'a plus besoin de moi. Donc, il peut s'attacher facilement à toi. Et de sur quoi, on est au 3e jour que j'ai pris les 20 000 du petit. J'ai fait le prêt des 20 000. On est au 3e jour. C'est toi qui m'appelles au téléphone. Je suis couché malade. Tu me dis, ça fait commencer comment que tu prends l'argent du petit là? Remets-lui. Hein? Remets-lui. Je te dis, mon frère, pourquoi on en est arrivé là? J'ai pris la main du petit, j'ai fait le prêt. Est-ce que le jour même est bien arrivé pour que je ne le remette pas? Est-ce qu'il m'a dit remets-moi avant que j'ai refusé ou bien il m'a donné un délai pour qu'il vienne te voir? Est-ce que c'est bien ce qu'il fait? Tu vois qu'il le fait parce qu'il sait que tu es mon grand et qu'il a déjà traversé sur moi. C'est un manque de respect. Et c'est une façon de dire que toi également, si demain il trouve quelqu'un plus valorisé, qui peut être plus fort peut-être, il va encore remettre l'autre à côté. Je lui dis que non, le petit là, c'est pas un bon petit, je vais lui remettre son argent, mais il a mal fait. Il aurait dû venir me demander que grand pardon, je veux dire l'argent. On n'était qu'à 3 jours. Je me suis battu, je suis venu. À l'émission, le petit est entré avec toi. Il était déjà comme ton petit sûr. Parce que c'est ce que tu fais d'habitude, déchirer les gens. Montrer à tout le monde que tu es le tout puissant. On peut écraser les autres. Le petit est venu à l'émission. On a bien fait l'émission. On a fini. On était avec les autres. J'ai dit au petit, qui t'a fait venir ici? Il ne voulait même plus me regarder. Il faisait comme le bouc. Parce que quand le bouc est déjà nerveux, quand il veut faire un truc, il sait déjà qu'il fait. Il me regardait même plus. Il était devenu arrogant. Je lui dis, OK, je pense que tu t'es mal comporté envers moi. Parce que c'est moi qui t'ai donné l'opportunité d'être avec moi. Maintenant, tu vas te comporter comme ça. Parce que tu es sûr que, comme tu es déjà avec lui, aujourd'hui, tu peux me chiffonner. Voilà ton argent. Il a récupéré. Je lui ai dit, bon, mais à compter d'aujourd'hui, comme c'est moi qui t'ai amené en radio, je ne veux plus que tu viennes ici. Mais arrête de venir ici. Et j'ai appelé Shingon. Je lui ai dit, Shingon, il dit oui. Je lui ai dit, tu sais que je te maîtrise un peu, non? Tu sais que le petit, s'il peut être arrogant comme ça. Parce qu'il ne m'a même rien dit. Si c'est un petit qui est vraiment soumis, il va commencer à me dire, s'il te plaît, grand, excuse-moi, c'est que, je dis que je vois qu'il prend, il tire sa force de toi. J'ai dit à Fimon, j'ai peur que ce soit toi qui fasses ça, pour que ce petit me manque de respect comme ça. Parce qu'il faut que je le sanctionne, pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait est mauvais. Tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as dit, non, il n'y a pas de problème, ce que tu veux faire, tu fais. Non, tu as raison. Tu m'as rassuré parce que j'étais prévenu. Le lendemain, on revient à l'émission. On s'assoit à Suite FM, on veut faire l'émission. Le petit est encore là. Il s'assoit.
Et il fait l'émission avec lui. Et tu fais tout avec lui. Je suis là. Quand on finit l'émission, je rappelle le petit. Je dis, mais je crois t'avoir dit hier que tu ne viennes plus. Il dit oui. Je dis, ok, tu as bien suivi aujourd'hui. Il dit oui. J'ai compris. Il me lance la main. Et il sort, il s'en va. Il part avec toi. Je reviens le lendemain, je dis au vigile, parce que je suis employé à Suite FM. Je dis au vigile qu'il y a tel gars là qui vient souvent ici. Ne lui permet plus d'entrer ici. Le vigile dit, ok, j'ai compris. Je suis dehors avec toi, Fingon, on t'avait dit ma belle. Tu n'oublies pas. On causait en attendant l'heure de l'émission. Le petit a traversé la route. On était encore à Bonaprison en face de la pharmacie. Le petit traverse la route, il entre vite pour aller à l'émission. Le vigile lui dit, à partir du jour, tu n'as plus le droit d'entrer. Tu n'as plus le droit d'entrer. Il se retourne. Il vient en flèche. En revenant en flèche, j'étais avec Dinabelle et toi. On revenait pour l'émission. Il s'arrête directement devant toi. Il te dit, je suis arrivé là-bas, le vigile dit que tu n'as plus le droit d'entrer ici. Toi, directement là, tu lui dis, qui t'a dit ça? Il dit le vigile, tu dis, passe, tu vas entrer, avance. Je suis derrière, j'ai la chair de poule, de voir comment tu te comportes. Tu es en train de vouloir me tétaniser devant un petit, un enfant qui Seigneur. Tu avances, tu intimides le vigile. Tu dis, il va entrer. Tu le pousses à l'intérieur. Et tu pousses, tu fais, Dinabelle entre. Arrivé devant, il est un peu retardé. Je l'ai intimidé. Je lui ai demandé de quitter d'ici. Tu n'es pas un employé ici. J'ai dit de rentrer. Il est un peu descendu. Le vigile a bloqué. On est arrivé à l'émission. Nous nous sommes assis. On veut démarrer l'émission. Tu dis, le petit là est où? Quelqu'un t'a dit parmi nos petits que non, on l'a bloqué. Directement, tu t'es levé. Tu es parti le tirer, l'amener. Tu l'as fait asseoir. Reste là, ta place est ici. Du coup, j'ai porté ma paperasse. Je t'ai dit ce jour que, Fingon, travaille avec lui. Je vous laisse. Merci, chapeau. Chapeau pour ce que tu viens de me faire. Je suis sorti. Mes larmes ont failli couler parce que je ne m'en rendais pas compte. Je suis sorti. J'ai trouvé M. Abel Defo au bureau ce jour. Je lui ai expliqué tout parce que j'aime expliquer la droiture. Je suis cohérent dans ce que je fais. C'est mon comme ça. Je lui ai expliqué dès la jeunesse ce que tu es en train de vouloir me faire. Ce monsieur que je tiens un coup de chapeau, il a géré comme les papas du village. Il a vraiment, c'est où je dis non, tant de faux là qu'on lui a donné, c'est vraiment tant de faux. Il m'a dit, j'ai compris, laisse, rentre. Je suis rentré. Joyce était chef d'antenne. Je l'ai regardé au bureau, elle n'était pas là. Je suis rentré dans une injustice pas possible. Quelqu'un avec qui tu travailles depuis longtemps, en 3 secondes, il te change avec quelqu'un comme ça. Je suis rentré à la maison. Qu'est-ce que tu peux faire ce jour-là? Le lendemain, je suis arrivé un peu plus tôt. Je suis entré au bureau de la directrice de programme. Je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé, comme je venais de vous expliquer. C'est où elle dit, mais non, on ne fait pas ça. C'est pas sérieux. Si j'étais au bureau hier, j'allais lui faire la même chose devant tous ces gens. Il allait sentir lui-même si c'est normal de faire ça à quelqu'un. Je vous ai dit de partager, non, mettez les cœurs. Sinon, on va bloquer. Sinon, on va bloquer. Allô? Allô? Oui, c'est qui? C'est qui? Nga? Me va à Miami. Nga, pas encore. Nga, parce que le numéro, je transfère ça dans l'autre numéro de l'Amérique. Hein? Ah, ok, mon bas en direct, je suis en train de faire un live. Oui.
Oui, je suis en direct là. Oui, je suis en direct. Il n'y a pas de souci, je vous en rappelle après. Dès que je finis. Dès que je finis d'expliquer à George, George dit, mais non, on ne fait pas ça. En tout cas, c'est parce que je n'étais pas là hier. J'allais résoudre ce problème hier. Dès que je finis d'expliquer à Joyce, je rentre. Je rentre maintenant à l'émission pour m'asseoir, pour travailler. Je suis un employé, j'ai un contrat de travail. Dès que je m'assois, les autres équipes sont là. Entre-temps, le petit est revenu. Hein. Il va entrer, le vigile lui dit, mon cher, l'autre jour, c'était entre collègues. Maintenant, c'est le directeur qui a demandé si tu viens, que je t'amène dans son bureau. Et on l'a amené au bureau du directeur, M. Albin Defoe. Le directeur a dit, toi, c'est qui? Il dit, non, je suis... C'est moi qu'on appelle tel. C'est moi qui fais la comédie avec les autres ici. Il a cité mon nom, le Fingon. Ah. Mais tu as un contrat ici, on ne te connaît pas ici comme employé. Il dit non, on fait aussi comme ça. Tu aimes ce travail? Il dit oui. Bon, à partir d'aujourd'hui, nous, on ne peut pas accepter les gens ici n'importe comment. Parce que tu arrives un problème. Si tous ceux qui sont là, c'est les employés, ils ont un contrat. On ne sait pas comment faire. Donc, si tu aimes beaucoup ce métier, va au quartier, tu rédiges ta demande. Rédige ta demande. Rédige ta demande. Et tu vas venir déposer ici. Quand nous, on va approuver, tu peux venir travailler. C'est comme ça qu'on le met hors. Quand on le met hors, je suis même pas encore au courant. J'entre maintenant, je suis à l'émission. Il est 18, l'émission commence à 18h. Il est 18h moins 2. Après, moins 3. Je demande au Didier. Parce que c'est comme ça, naturellement, on est les deux professionnels. Hein? On est les deux professionnels. Donc, quand l'autre est en retard, l'un est en retard, l'autre peut lancer. J'ai dit au Didier, ouvre l'antenne, je lance. Le Didier ne fait que tourner. J'ai dit, mais il est 18h, déjà 2. Le Didier, c'était Serge Abor, que je n'oublie pas. Il dit, non, je ne peux pas ouvrir l'antenne. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que Fingon a dit que tu es suspendu. Dès que j'ai dit, ah? J'ai posé la question, Fingon, c'est mon employé? Mon employeur? Directement? Apparemment, il était en retard, il ouvrait la porte. Il ouvrait la porte étant en retard, pourquoi? Parce que le petit l'a appelé encore, que cette fois-ci, c'est le DG. Il a dit au petit, attends, tu vas entrer. Et il est allé au bureau du DG. Il a dit au DG, DG, il y a notre petit là. Il a dit au petit, tu vas entrer, c'est moi qui te dis, calme-toi. Je vais voir le DG. Il est entré. Il est entré. Il dit au DG, non, c'est notre petit, il nous apporte beaucoup dans l'émission. Il se battait corps et âme pour prouver au petit qu'il peut faire entrer le petit. Et comme le DG, c'est un sage, le DG a juste dit, Fingon, allez faire sans lui. Quand on vous récupère, on ne l'avait pas récupéré avec lui. Allez faire sans lui. Non, même si ce n'est que pour aujourd'hui, DG, on avait déjà fait programmer ce qu'on va travailler avec lui. Tout ce qu'il a parlé. Tout ce qu'il a parlé. Le petit n'avait pas encore de nom. Après, il est aujourd'hui, c'est boulanger ou quoi. Il voulait apprendre avoir le nom. Donc, ce n'est pas, ce que je dis, c'est net. Il avait son petit nom là qu'il voulait mettre. Tout ce qu'il a parlé, le DG lui a dit non. Ça ne passe pas. J'ai seulement dit que, fais sans lui. Donc, quand il est entré à l'émission, au même moment, quand le DJ me dit, Fingon a dit que tu es suspendu. J'ai dit, quoi? Fingon, c'est mon employeur? Directement, il a poussé la porte. Et il a serré la tête comme ça devant moi. Un homme avec qui on a fait des grands combats, que je l'ai soutenu. On est toujours resté comme ça, quand c'est vrai. Pour un petit de rien du tout, il est prêt à te régner. Il dit, oui, tu es suspendu, j'ai dit ça. J'ai une fois replié mes documents, je suis sorti. Dieu merci que ce jour Joyce était encore à son bureau. C'est comme ça que je vais dire à Joyce, mon patron vient de me
mettre dehors. Josh m'a poussé, allons. Arrivé à l'émission, l'émission était en live. Josh a dit, coupez-moi tout ça. Klingon, on arrête tout. Allez, mets la musique. Si il n'y a pas d'émission aujourd'hui, on ne fermera jamais la radio. La radio ne doit pas chuter parce qu'il n'y a pas d'émission. Arrêtez-moi tout ça. Elle lui a fait la même chose. On a coupé, on a mis la musique. Et elle lui a dit, Klingon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as le droit de suspendre Kalaga? Même Hirashi, comment tu n'es pas son chef? Vous êtes les collaborateurs. Tu as le droit de le suspendre. Qu'est-ce qui se passe? Si tu constates que Kalagan se comporte mal, tu t'agresses à la hiérarchie. Et la hiérarchie va étudier et décider parce que c'est un employé comme toi. Est-ce que tu as le droit de le suspendre? Comment tu prends le rôle d'une autre personne? Il dit non, George, ce n'est pas ça, c'est que George écoute. C'est où George le raisonne. George lui dit, tu veux parler de quoi? Tu sais de quoi il est question. Kalagan ne ment pas. Voici. Est-ce que c'est sérieux ce que tu fais? Même si tu voulais tellement le petit, tu ne trouves pas que ta méthode n'était pas bonne? Tu pouvais d'abord laisser que le petit rentre au quartier après pour respecter Kalagan, pour qu'il ait, il se sente respecté. Il se sente respecté. Hein? Tu pouvais pas faire, après 2 jours, tu appelles Kalagan, tu dis, bon, tolère notre petit là. Il faut laisser, c'est une faute. Il s'est mal comporté. Laissons-le, il faut le pardonner. Tu ne sais pas que tu pouvais utiliser cette méthode. Mais la méthode que tu as voulu utiliser, c'est pour écraser seulement, dénigrer, montrer aux autres que tu es toi et les autres ne valent rien. Il est resté petit. Il dit, je m'excuse vraiment. C'était juste des excuses comme d'habitude. C'est facile de dire ça. Mais est-ce qu'au fond de toi, tu as fait un examen de situation pour dire, on me reproche de quoi? Est-ce que je peux m'améliorer? Je me suis senti soulagé ce jour parce que j'avais juste expliqué ce qui s'est passé à George. Mais je me suis posé la question, comment elle a fait pour se mettre à ma place, pour pouvoir bien expliquer, pour pouvoir lui exprimer ce que je ressentais au fond de moi en lui disant, on ne fait pas ça, tu fragilises l'amitié. Quand tu utilises le pouvoir que tu as à chaque fois pour rabaisser l'autre, tu fragilises l'amitié. À un moment, ça ne va plus tenir. On ne fait pas ça. Arrête ça si tu fais les choses pareilles. Et c'est ce que tu fais à chaque fois. C'est comme ça que le petit, bon, c'était fini comme ça ce jour. C'était une parenthèse. Comme pour dire que vraiment, il y a trop à dire. Et je préfère rester toujours professionnel. Cette histoire est venue parce que ça connote de la même chose. Quand je parlais de ce spectacle, tu as dit que tu maîtrises tout. C'est toi, Fingon. Tu peux balancer Bifaga et moi de côté. Toi, Fingon. On ne fait pas comme ça. Même un fou peut raisonner, peut te dire quelque chose qui peut t'aider. Même le fou. Il faut respecter les gens, il faut respecter tout le monde. Et du fond du cœur. Je suis déçu. Je suis très déçu de toi. Et j'ai compris après beaucoup d'années que tu ne changeras pas, c'est ta nature. Avec l'âge que tu as déjà, ce n'est plus l'âge de changer. Pas parler de... Je ne veux pas mélanger les dossiers. Le dossier agent, t'avais fait quoi? Parfois, tu fais des choses comme ça financièrement. Je dis que, mais est-ce que tu connais même? Hein? Je ne peux plus le valoriser. C'est fini. Je le dis, Hora, c'est fini. La valeur là est finie. J'ai fini avec lui. Avec sa race qui part. Nous tous, on va prendre 2 mètres quand on va mourir. Chacun va mourir. Et il va mourir le jour que Dieu va vouloir. Et si quelqu'un jamais anticipe la mort de l'autre, il rendra compte à Dieu, non? Il y a le karma, non? Si tout ce qu'il dit sur toi, je te dénigre seulement, alors que ce n'est pas la réalité, que Dieu me punisse au centuple. Parce que je suis réaliste. Je dis la vérité.
Il y a beaucoup de choses que j'ai eu les problèmes avec les gens parce qu'on dit, tu connais la vérité, tu ne veux pas dire. Je dis, hey, ça ne va pas passer par moi. Tu ne considères pas tout ça. J'ai compris une chose, dans l'amitié, quand tu n'es pas valorisé, il faut foutre le camp de là. Ceux qui me connaissent bien connaissent comment je me comporte. Au départ, toujours ceux qui ne me connaissent pas bien, qui ne m'ont pas étudié. Quand je dis quelque chose de quelqu'un, parfois l'appréhension au nouveau, c'est que peut-être il peut être jaloux. Peut-être. Donnons le temps. Tout le monde ne peut pas mourir au même moment. Donnons du temps. Avec du temps, chacun verra de ses yeux. Je peux mourir parce que je suis un humain. Mais l'histoire, aucun mal sur cette terre ne peut finir comme ça. Tôt ou tard. Oui, Noëlla, bonsoir. Noëlla de l'écurie Jean Calagan. Dans 5 jours, on va démarrer avec l'écurie Calagan. On va redémarrer. Vous travaillez au Cameroun, je prends le relais ici. Avec l'histoire cohérente. Vous travaillez au Cameroun, je prends le relais ici. Maintenant, ce sera comme ça. Yagoya, c'est un cerveau. Il s'est éloigné très, très stratégiquement. Blagoya s'est éloigné stratégiquement. Parce que nous nous sommes dit, on a une convention entre nous. On a fait cette convention. Il ne faut pas que ça sorte par nous. Chacun ferme la bouche. Juste. Chacun parle seulement, non, ça ne va pas sortir par nous. Mais c'est sorti, c'est une chose sur la ligne. Parce que je n'ai pas dérapé. Certaines choses sont sorties par moi. Et il y en a comme ça. Plein. S'il dit quelque chose qui est au contraire de ce que je vous ai dit, si vous le connaissez, faites l'appel en conférence. S'il réunit encore, si c'est un truc qui concerne quelque chose, je mets les voices. Vous écoutez. Parce qu'il a toujours une bonne parole, une bonne bouche pour vouloir amadouer les gens. Oh, Sammy Boston. Quand c'est gâté, c'est gâté. Quand c'est gâté, c'est gâté. Tout ce qui chauffe se refroidit. Tout ce qui brûle cesse de brûler. Faites tout pour avoir une bonne vie devant les gens. Une personne qui est humain, un humain, fait comment? Pour qu'un gars te prenne à l'aéroport, il t'amène chez sa cousine. Il a les problèmes là-bas. Tu dors dans la même maison. J'ai pas dit que vous ayez des problèmes. Un gars qui est un bantou, il va dire que mince, les gens vont croire que quoi. Mais les gens parlent. Tu as perdu ta crédibilité depuis le jour que tu dors dans la maison, quand je ne peux pas dire bonsoir à ma soeur. Parce qu'on a nos problèmes qui ne te concernent pas, ou bien qui te concernent plus ou moins. Tu fais comment jusqu'à tu dors, tu te couches sur le lit où je t'ai amené. Tu dis que tu es un homme, que tu es humain. Tu veux raconter quoi aux gens? La force que tu as, je connais la force que tu as. C'est que dans tous les coups, tu aimes toujours rigoler. Les histoires. C'est que c'est les histoires. Tu viens en Amérique, tu ramasses, tu veux puiser tout l'argent, tu rentres avec. Même une idée de dire que mon petit, là, il est sur place ici, ça ne peut pas être facile pour lui. Avoir même un seul petit réflexe.
tu n'as pas. Quand c'est au pays, on sait comment on s'en sort. Quand c'est mauvais, je ne peux pas voir peut-être Mme Congel, quand je ne peux pas voir du taverna pour le cap. Ou bien je cours, j'appelle même Obama disant. Ici, là, c'est chaud. C'est un monde nouveau. Mais quand tu viens, c'est comme si tu penses que tu vas seulement marcher sur les gens. Tu vas marcher seulement sur les gens. Tous les jours. Maintenant, deviens même, si tu deviens même Kyo, c'est ton problème. Je n'ai plus rien à foutre avec toi. J'ai fini avec toi. Je ne veux plus jamais sur la terre. Comme je dis là, même si c'est dans ma tombe, je ne veux pas, avoir affaire à toi. Je ne veux plus. Je vais d'abord mettre une pause. Si je dis un truc qui n'est pas ça, je vais expliquer. S'il veut qu'on aille dans la boue, on va aller dans la boue. Parce qu'aujourd'hui, là, je lui ai retiré mon habit dans ma tête. On va aller dans la boue au plus profond. Et on va réveiller les morts. Mince. Je vais travailler sur un truc comme ça, là. Travailler jusqu'à travailler sur un truc. Je dis, restons professionnels, même si on a les ennuis. Ils viennent toujours, même sur place encore. Ils veulent seulement que mon cerveau, tu sais, ici sur place. Malgré tout, je bloque. Je dis que non, ce n'est pas bon. Il faut que je fasse pour que je reste professionnel. Tu n'as pas pu parler avec moi quand le cardinal Père à son âme présentait cette soirée où le Père Fongan Albert m'avait invité, il t'a invité. Parce que je suis un de ces artistes. Parce qu'il connaît. Il connaît le genre de sketch que je fais. Le sketch un peu du mindset. Quand je parle des souvenirs de l'école. Avec les textes que j'ai appris à l'école. Grâce à tous ces enseignants-là. Il avait tellement aimé. C'est lors de l'inauguration du domicile d'un des fils de Soreko. Où le domicile se retrouve derrière Grande Métisse. Quand j'ai presque devant le père Fongan Albert, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es mon humoriste, tu es fort, j'aime ta façon, j'aime ton truc. Voilà. C'est comme ça que je travaillais désormais à ses côtés. Parfois, on se rencontre seulement. Ce jour, il nous a invités pour l'anniversaire d'un de ses amis. Je ne savais pas que tu devrais prester. Quand j'ai presté tellement, la prestation était belle. Je ne savais pas que tu arrivais derrière. Tu arrives, tu prends le micro. Tu m'insultes devant les gens. Tu me dénies. Tu ne supportes pas. Parce que j'ai tellement bien presté que les gens ont apprécié. Tu as voulu faire comme ça, ça n'a pas donné ça. Tu as voulu faire comme ça, c'était plus vraiment ça. Parce que le tonus que j'avais donné était fort. Je savais même pas moi que tu devais venir. Tu as pris le micro au lieu de faire l'humour. Tu as plutôt dit. Ce n'est pas le concert des gens ici. Hein? Fongan Albert, il faut vraiment, désormais, il faut savoir mettre. Tu t'es caché devant les gens. Tu as un problème avec lui. Pourquoi il se comporte comme ça? Tu es un tout petit par rapport à lui, il ramasse tout l'argent. Pourquoi comme ça? Parce qu'il ne supporte pas. On a fait plus de 2 mois sans pouvoir se dire un bonjour. Parce que j'ai presté. C'était tellement bien qu'après, c'est comme ça. Même à Dallas, quand j'avais le micro au parc, tu étais derrière moi. Coupe comme ça, coupez-le! Et quand tu prends, tu dois avoir le micro. Parce que tu as peur que si je prends le micro. Je savais que c'est ce qui devait se passer au Maryland. Parce que je préparais un répertoire. C'est pourquoi j'insistais derrière Stipak. Que Stipak, voyons-nous avec le Didier. On organise, non? On arrange. Restons professionnels. Quand j'ai compris que tu prenais, tu voulais prendre tout. C'était pour dire au Didier, coupe-le. Je connais comment tu fonctionnes.
ton corps, ton cœur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que les gens savent faire, mais qu'ils refusent seulement. Tu crois qu'à mon niveau, aujourd'hui, j'ai encore quoi à perdre? Tu crois que j'ai peur qu'on s'enroule dans la boue? Je panique juste parce que je n'aime pas trop. Parce que quand il y a déjà ce genre de choses, il y a les gens qui sont automatiquement tes gens, qui sont obligés d'être tes gens. D'autres qui vont mal interpréter, d'autres qui vont dire, je ne veux pas entrer dans tout ça. Oh, il ne faut pas que ça arrive là. Mais tu crois que si ça arrive, tu crois que tu peux entrer dans la... Moi, si tu crois que si je ne peux pas entrer dans la boue, je m'enroule. Où je suis là au stage, je la rappelle, ou te rappelle-toi de ce que je te dis. Que où je suis là, il n'est pas peur, même en zéro virgule. Essaye seulement. J'ai compris finalement que tu n'es pas le genre de personne qu'il faut caresser au sens du poil. Tu ne mérites pas ça. Tu n'es même pas ce genre de personne qu'il faut caresser au sens du poil. Vous avez pris l'argent, non? Vous avez pris l'argent. Tu as mangé, non? Conçu toute ta vie avec. Tu as envie d'épater les gens avec quoi? Si tu as l'argent n'importe comment ou tu fais n'importe quoi, tu ne peux pas arriver au niveau. Ce que tu vas faire, les autres auraient déjà fait ça de leur vie. Mais est-ce que ta dignité devant un miroir, tu peux te regarder et dire certaines choses? On ne fait pas ça. Je suis sur le lit avec toi. On dort. Je t'écoute. Comment tu sors un exé? Le exé entre. 4 bâtons de dépôt dans ton téléphone. Je te dis, gars, donne-moi même 500 000 aussi. Je gère. Tu prends tout l'argent seul. 4 bâtons. 4. Tu as introduit tout ça devant moi. Tu as mis les gens qu'il ne faut pas mettre. Tu as dit les choses à ce monsieur. The one is back. Quand il avait les soucis. Tu parles avec le président Chop, tu fais le truc. Hein? Tu prends tout l'argent là. Devant moi, tu mets pap. Je te regarde comme ça et dis que merde, tu n'as pas de remords, mon frère. Hein? Tu n'as pas de remords. Un homme, quand un homme se réveille quand même, il dit, hey, mon petit, quand même, on ferme la bouche de quelqu'un avec un petit truc aussi. Tu prends tout seul. Tu touches dans tes chantiers parce que c'est toi seul qui peux faire le chantier. Bah, tu veux épater les gens, tu veux montrer, tu veux rattraper quoi? Il y a un Dieu qui existe, hein? Moi je te dis ça, il y a un Dieu qui existe. Ne te comporte pas comme ça, ne te comporte pas comme ça. Si Dieu peut t'aider un jour que tu changes, ça va faire du bien. Je vais arrêter à ce niveau. Moi j'arrête à ce niveau aujourd'hui. Mais essaye seulement, on va s'enrouler dans la boue. Essaye seulement, tu vas expliquer que chacun dit la vérité. La personne doute qui vient vers moi. Je ne suis plus au stage où je vais bloquer quelque chose. On va se parler. Si on entre dans le fond, on va voir qui va se rouler dans la boue. Je ne suis pas parfait, hein, comme tout homme. Mais il y a les limites de ce que je ne fais pas. Parce que je suis un humain. Un humain doit avoir un peu de tact. Bonne soirée à vous. Désolé pour ceux que j'ai heurtés, parce que beaucoup de mes parents n'auraient pas aimé. Je suis désolé. Quand ça monte fort, quand le processus ne fait que continuer, à un certain moment, on se fout des gens. Parce qu'après ça, quand il parle aux intimes, il parle aux intimes comme si c'est lui qui a raison. Il explique n'importe quoi. Au lieu d'être un peu droit. J'ai gardé beaucoup de fruits, de salades dans la moi. Si ça boule comme ça, pap, je reviens. À l'heure actuelle, là, je viens. Ok, au revoir à vous. Bonne soirée. Merci. Désolé pour ceux que j'ai heurtés. Tout ce que je fais, j'assume. Parce que je suis un adulte. Mon âge aujourd'hui, je ne peux plus faire des choses comme quelqu'un qui fait ça. Hein? Je ne parle pas des choses de longueur, je parle de moi. Je laisse les choses des autres. Voilà. Je laisse les choses des autres. J'ai encore beaucoup de mal avec lui. Encore de l'Amérique que je garde. J'ai ça au frais.
J'ai ça au frais. C'est à partir du moment où il va mentir sur un truc que je vais parler. S'il ne ment pas, si je n'entends rien, si les gens qui vont le côtoyer, il ne ment pas, ou s'il ne se tait pas, ou bien s'il dit qu'il reconnaît qu'il va changer pour que ça lui fasse du bien, s'il tente de vouloir expliquer quelque chose qui n'est pas ça, c'est mort.